or they try to. Bonsoir, bienvenue à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Veridisco. Une émission où je reçois quelqu'un qui me parle des musiques qui ont marqué sa vie. Et ce soir, vous l'avez vu à l'écran, vous l'avez vu dans la... comme vous l'avez vu sur le titre de ce live, je reçois monsieur Aurélien Prévost. Aurélien, comment tu vas ? Bonjour, cela va très bien. Et toi ? Ça va très bien. Déjà, je vais demander un truc. C'est est-ce que les gens du chat, déjà bonjour ou bonsoir aux gens du chat, est-ce que vous entendez correctement Aurélien ? Est-ce que vous m'entendez bien ? On va voir ça tout de suite parce que j'ai fait des tests techniques. On a eu des... pour ça qu'on est un peu en retard. Il y a eu des petits bugs techniques de mon côté. On entend tout. Oh là 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 là. Et c'est incroyable. Tu sais que je vais pas te mentir. Les gens qui connaissent ce stream, c'est rare ce qui est en train de se passer. C'est, c'est comme la comète de Halley. C'est tous les 72 ans. Faut en profiter, c'est une fois. Comment tu vas Aurélien ? Bah ça va très bien, écoute, aucun problème technique, c'est incroyable. Oui, oui, mais il s'est posé tranquille et il a dit ça va, tout va bien. Oui, ça va, t'entends pas ta voix deux fois, toi c'est bon, maintenant c'est ok, on est bon normalement, on est bien. Non, non, tout va bien, je l'entends trois fois, c'est ça. Bah ça me va, voilà, comme ça t'es très bien, t'es parfait. Je suis trop content de te recevoir Aurélien. Comme je dis souvent, je reçois toujours des gens sur cette chaîne, des créatrices et des créateurs de contenu dont j'aime beaucoup le travail. Et toi, ton travail, bah, je l'aime énormément. Parce que j'aime trop le contenu que tu fais sur YouTube, parce que tu arrives à faire un truc entre vlog et fiction, enfin entre réalité et fiction, et ça c'est, je trouve, quelque chose de hyper audacieux et quelque chose qui, pour une personne comme moi qui a écrit un peu de fiction dans ma vie, je sais que c'est hyper difficile de jouer sur cette limite, en fait, sur ce double truc. Donc je sais que c'est beaucoup de travail. Et je sais en plus que dans tout ce que tu racontes sur YouTube, des fois tu évoques un tout petit peu des choses qui t'ont marqué dans ta vie, notamment tout ce que tu parles, notamment autour d'AB Productions. Donc j'invite les gens évidemment à aller voir ta chaîne YouTube. Tout est à retrouver en faisant la commande Aurélien, d'ailleurs, dans le chat. Vous avez le lien vers sa chaîne YouTube, etc. Ah ouais, non, mais tout est prêt. AB Productions, c'est Hélène et les garçons pour les gens. Enfin, même s'il y en a quand même plein qui vont dire, mais je ne sais toujours pas ce que c'est. Ah ouais. C'est une sitcom française des années 90. C'est ça, voilà. Et donc, du coup, j'avais envie de te recevoir pour que tu nous parles juste, du coup, des morceaux qui ont marqué ta vie, comme toutes les personnes que j'ai reçues dans cette émission. Est-ce que tu trouves que je t'ai assez bien présenté ? Ou est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose, peut-être ? Il y a peut-être quelque chose que j'ai omis de dire Non, je suis pas un youtubeur musique, je suis un youtubeur divertissement. Attends, je rapproche un peu mon ordi, ouais, pour qu'on ait la même échelle de visage, ce sera plus agréable pour les gens. Oh là, regardez là, regardez ce professionnel, là c'est incroyable. mais ça j'aime. Attends, quel je suis pro. Un professionnel mais dans le champ là, si vous voyez le bordel autour de... oui, du c'est, cadre. C'est là, le cadre est impeccable, mais par contre de l'autre côté c'est la guerre. J'ai débranché la fibre. Oh merde. Aïe, aïe, aïe. C'est bon, je suis toujours là. T'es toujours là, c'est bon. Tout en va fait, bien. La fibre, c'est un mythe, ça ne sert à rien, quoi. Okay. Ah, moi, ça n'a jamais servi à rien, la fibre. Non, non, vraiment, tu vois, on nous l'a vendu, mais en fait, ça ne sert absolument... Ça n'a jamais servi à rien. Non, t'as dit que j'avais un chat, il est là. Oui, oh, il a l'air bien. Bon, il est dodo, donc là, il a déjà été plus mignon que ça. Il chill, il est là. Ça a l'air d'aller, il a l'air de... Ça a l'air... Il bouge peu, quand même, c'est un peu louche. On va quand même vérifier qu'il est mignon, puis après, on va pouvoir y aller. Pardon, j'étais beaucoup trop bien visé. J'adore comment il s'en veut. Insta. Il y a même une de mes modératrices dans le chat qui fait Aurélien. Je pensais pas que je visais si bien. Vous avez vu ce shoot? Merde, pardon bébé. Mais c'était pour vérifier que t'étais en vie. Ah, il y a Walkie Primoz qui dit on appelle la SPA. C'est une serviette. Ah bah, c'est une non. serviette, bah, elle c'est... avait une tâche. Tu sais que elle t'es en live là. C'est fini Aurélien, là. C'est terminé. C'est... Ouais, je suis désolé. Merde. Bah écoute, la sauce, hein, le thread Twitter est déjà parti. Voilà, c'est... La sauce, mais j'ai essuyé la sauce qu'elle avait sur la tête. Oui, bien, oui, c'est ça. J'ai essuyé la sauce, je ne suis plus dans la personne de bah la oui, sauce. Il aime son chat.
Et maintenant, il est en vie, demande Petricor. D'ailleurs, bonjour à toutes et à tous, hein, celles et ceux qui sont dans le chat. Merci à celles et ceux qui ont follow la chaîne, vous êtes adorables. Bah, comme d'habitude, cette émission Véridisco, on la commence toujours dans la même façon. Il n'y a pas de jingle, il n'y a rien, c'est une discussion pendant 2h, 2h30 avec mon invité, tranquille. Et la première question que je pose toujours, c'est toujours la même. Aurélien, quel est ton tout premier souvenir musical, aussi loin que tu puisses remonter dans ta mémoire? T'aurais dû me poser la question avant. Premier souvenir musical. Ouais. Ah merde, putain, ça c'est relou. Je vais cette nuit, je vais me réveiller. Ah putain, c'était ça mon premier souvenir musical. J'en étais sûr. Bah là, je dirais le générique des petits malins. Le générique des petits malins. Alors, il faut donner le contexte aux gens. T'as quel âge toi? T'es de quelle année? Je suis de 92 moi. 92. J'ai, okay. Je vais avoir 30 ans cette année. Une bien belle année. Et ben, j'ai 9 ans de plus que toi. Okay. Donc je suis de 83. Et je pense qu'un de mes premiers souvenirs musicaux, ouais, ça doit être le générique des petits malins. C'était des lapins dans un dessin animé. Alors et attends, j'essaie de chercher le générique pour le mettre pour les gens. Là, c'est ce qui me vient. En tout cas, en générique aussi loin que je me souvienne, ouais, ça faisait Gabi, 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 Gabi. L'ami des tout petits, tourne le bouton tout rond, et tu auras des chansons. J'ai mal dit au milieu parce que je sais pas faire. Alors attends, est-ce que ça vient? Est-ce que ça veut s'afficher ou pas? Ouais. Que l'original, donc ça fait pas chier. Est-ce que tu entends ou pas? Fait. J'entends très bien. Ok, super. Je découvre, littéralement. Je suis fasciné. Ah, tu peux mettre des images et tout. Ah oui, du coup, ouais. Ouais, j'ai quand même bossé le truc. Hein. Moi, c'est méga flou, mais je vois. Ah, désolé. Ah oui, pour ton retour sur le stream, peut-être, ouais. Bah, t'as décroché la fibre, hein, je te rappelle. Ouais, je déconne. Je ne connais... Attends, c'est bien fait, hein, ton émission, là. T'as vu, hein, nickel, hein. Et regarde, je vais même faire disparaître la fenêtre. Hop là, et on va revenir, hop là, sur la scène d'avant. Wow. Regarde, oh là là. Non mais ça bosse ici, ça bosse, qu'est-ce que tu crois? Ça bosse. Alors je connais, alors les petits malins, je connais absolument pas cette série du coup. C'est la première fois que j'entends parler. Non, série pour enfants du coup. C'est ça? Ouais. Qui doit être de mon enfance, j'imagine. Bah oui, ouais, sûrement, vu oui. vu que je m'en rappelle. D'accord. Mais ouais, je pense que c'est l'un des premiers bails là que je pourrais te sortir. Ouais, du coup. Après, j'allais dire le générique d'Olive et Tom, tu vois, mais je pense que. Bah non, mais t'as le droit de dire un truc, on n'est pas... Alors par contre ici, c'est ce que je dis souvent, il n'y a aucune honte, tu sais, à dire que tu connais des choses qui sont déjà connues, tu vois, on n'est pas non plus dans la démonstration de « je connais des trucs hyper de niche, hyper pointu », il n'y a pas de souci là-dessus, tu vois. Les petits malins, c'est hyper pointu. Par contre, mais du coup, c'est pour ça que t'as commencé quand même avec un truc genre... oh, le, ça vient de Brooklyn et tout, c'est underground, c'était... Ah non, à l'époque, il fallait commander des VHS et tout machin et se les faire livrer depuis Brooklyn. Donc, c'est hyper pointu. Moi, je pensais même pas que c'était sur YouTube, tu vois, tellement c'est un truc niche, quoi. Ah, tu vois, bah, 4915 vues, tu sens que c'est... Puis, t'as zéro commentaire. Tu sens que ça a pas déchaîné les passions, tu vois. C'est... Enfin, sans méchanceté, hein, mais tu vois que c'est pas non plus le truc le plus connu. Mais je découvre complètement. Ouais, mais... ou juste c'est très vieux. Ou juste c'est très... Non, même pas, parce que tu vois, on avait fait sur cette chaîne, on avait fait une playlist des meilleurs génériques de dessins animés. Et ma communauté est hyper large. J'ai vraiment des gens qui ont 18 ans comme des gens qui ont plus de 40 ans. Et du coup, on avait découvert des dessins animés que moi, je connaissais absolument pas, évidemment. Et du coup, bah ouais, non, je te confirme qu'il y a des dessins animés, même des très anciens dessins animés, où je connaissais, tu vois, au moins. C'est que là, vraiment, celui-là, je vois pas du tout... Dans les commentaires, personne ne dit qu'il connaît. Enfin, les gens, ils savent que c'est hipstercore, mais ils savent pas, ils connaissent pas. Si, apparemment, ma modératrice 3615 Tara dans le chat dit j'aurais dû le proposer. Apparemment, elle avait l'air de connaître, tu vois. Ah, parce que c'est du lourd, c'est du très très lourd. Ah, c'est du lourd. Ouais, on est bien. Après, je pense que ce qui fait que c'est rentré dans ma tête peut-être d'enfant, c'est le côté Gabi 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 Gabi. Ah bah c'est. Nananananananan. Ça rentre dans la tête tout de suite. Il y a un côté. Ah tu vois, si, regarde, c'était ma série préf quand j'étais petite. C'est très connu par les gens des années 80. J'en suis, tu vois. Toi, t'es pas et tout bah seul. Voilà. Tu vois, je pense que c'est ça. Tu te dévalues. C'était sûr. Mais c'était sûr, en fait. C'était sûr. Non, mais c'est trop bien. Après... Bah, donc, du coup, direct générique de dessin animé, quoi. C'est ça, vraiment, ton premier souvenir, ouais. Finalement. Ouais, j'étais très dessin animé. Ouais, je voulais me démarquer des autres enfants à l'époque. Oui, bah oui. Bah, fond, c'est...
Ouais, à fond tout... dessin animé. Ouais, le reste des gens étaient en train de regarder plutôt le Cinoche. La F1, F1 moi, c'était ah, la F1, F1 ouais. Mon école maternelle. Ouais, la bonne grosse F1. Ouais. Et quand tu grandis un tout petit peu, donc c'est plutôt générique de dessin animé. Après, c'était quoi un peu les tubes de ton enfance, les choses dont tu te souviens quand t'étais gamin, les trucs que tu aimais du coup écouter de ton côté? Bah, je sais que, parce que là, les petits malins, je me dis pas, j'étais fan, tu vois. Mais je sais que, on reste dans du générique, mais le générique des Chevaliers du Zodiac, ouais. Je sais que je trouvais qu'il envoyait du très très lourd. Bernard Minet, les ah, Chevaliers ouais, du ouais, Zodiac. Les... Attends, je vais le mettre. Tu vas nous le mettre là, c'est ouais, ça. Ouais, ouais, il est incroyable. Je te laisse 4 secondes. Les Chevaliers et je du sais Zodiac. Qu'en plus, et je me rappelle que je kiffais aussi parce que la chanson était au top 50. Premier duck, tu vois, en tant que tube. Alors attends, parce tu que j'ai un, truc, j'ai un truc genre, c'est premier générique. Ouais. C'est ça ou pas? Ouais. Et je me rappelle que c'était au top 50 et que je trouvais ça trop cool. Je me disais, ouais, trop bien et tout, machin. Donc tu sais, ça veut dire que j'étais vraiment à fond, quoi. J'étais fan. Ça pour le coup, je connais. Générique, moi, qui est un point. Ça pour le bah coup, oui, je connais. Ça pour le coup, ça. Bah ouais, ouais. En fait, c'est le truc qui a été un peu multi-diffusé, même en étant né en 92. Après, ça s'est rediffusé à fond. Ah oui. Incroyable. Et ça, pour le coup, ouais, c'était à l'époque, c'était vraiment du. Enfin, c'était au top 50, quoi. Enfin, bon, c'est pas la ref, quoi. Mais sur Canal, il y avait le top 50 avec les tubes, quoi, qui cartonnaient le plus. Et il y avait Bernard Minet, il était dedans. Il était dedans avec Bioman, il était dedans. Ah, Bioman aussi. Hein. Bioman aussi. En vrai, ouais, je me demande très sincèrement, tu vois, si aujourd'hui des génériques de dessins animés pourraient être au top 50. Au top 50. Un gros dessin animé peut-être, mais c'est compliqué aujourd'hui, tu vois. Je me demande, si il y a, en vrai, parce qu'après le système de top 50 est plus pas tout à fait pareil. Ouais, c'est du stream quoi. Ouais, mais ouais, c'est ce que j'allais dire. Tara en parle dans le chat, genre One Piece, genre les animés d'aujourd'hui, ça stream beaucoup, ça stream pas mal quand même. Les, Après la diff, c'est que nous on avait des génériques français quoi. Mm. Aujourd'hui, il y a pas One Piece, One Piece. Tu es le plus fort de tous les pirates. Oui, c'est ça. Oui, c'est le vrai. Truc où le mec pensait que le nom de la série c'était le nom du héros forcément dans tous les cas. C'est ça. Il y a pas les aventures de One Piece. Il y a pas. S'il y avait, ça serait direct top stream quoi. ça serait. Ah, ça dépend. Si on demandait aussi à des stars, tu vois, si c'était Hamza qui chantait One Piece, ouais, il ferait un bon générique. Ah ouais, je pense que ça fonctionnerait. Ce truc s'est perdu, quoi. Qui a chanté récemment? Il y a, tu vois, en fait, tu sens que par contre, quand il s'agit de faire un événement de ça, attends, parce que c'est le film One Piece qui vient de sortir, c'est le film One Piece qui vient de sortir au cinéma récemment, ouais. Je crois. Et il y a une des musiques qui a été justement reprise par une Française. J'ai plus le. J'allais dire Louane, mais c'est pas Louane. On l'a écouté un matin. Oshi, pardon, voilà. C'est Oshi, la chanteuse okay. Oshi, qui a repris la chanson qui est dans le film. Et du coup, c'est une reprise. Ah oui, bah oui, français. En mode. Oui, ça fait un générique de fin, tout ça. Ouais, voilà, du coup, ouais. Sur des trucs de film, quoi. Donc, tu vois, pour les trucs un peu exceptionnels, j'ai l'impression qu'on se permet aujourd'hui de prendre des chanteurs. Mais aujourd'hui, oui, peut-être que l'anime. Bah, on verra si dans 30 ans, dans ton émission, quelqu'un dira. Premier son, moi, c'est Oshi. Le direct de One Piece. Après, la différence aussi, c'est que les animés, il y a beaucoup de consommation via les plateformes de streaming ou de façon illégale en récupérant directement les flux en direct du Japon ou autre pays. Alors qu'à l'époque, on attendait que ça vienne en France, que ce soit doublé. Et pour donner envie, on mettait un générique français aussi. C'est aussi une autre histoire de la... Bah, surtout pour vendre des disques, hein, parce que c'était AB Productions, donc ils faisaient c'est autant vrai. De la télé que de la musique, les mecs. Mmh, ouais, c'est ça la clé du truc, là. Bernard Minet, il chanterait One Piece, je peux te dire que tout le monde serait en folie. Non. C'est ça. Moi, peut-être. Moi, beaucoup, beaucoup moins, sûrement moi. Et, est-ce que tu avais... est-ce que tes parents écoutaient de la musique, eux? Enfin, est-ce ouais. que c'était un truc... Mes parents écoutaient de la musique, et du coup, moi, le premier son... le premier truc qui m'évoque vraiment quelque chose très jeune, je vais avoir 6 ans, c'était le trio que faisait Jean-Jacques Goldman avec Frédéric et Jones. Et c'était Frédéric Goldman Jones. Yes. Ça t'évoque quelque chose. Ah bah, ma mère est turbo fan. J'ai écouté. Et du coup, ouais, il avait monté, il était lui, il cartonnait de ouf tout seul et tout. Et il avait donné un peu de son. Il avait partagé son buzz avec deux potes avec qui ils ont fait un album. Et mes parents écoutaient beaucoup cet album à la maison. Yes. Et du coup, je pense que ouais, le premier vrai souvenir musical hors générique et tout, genre vraiment chanson, c'était l'album de Frédéric Goldman Jones qu'ils avaient fait ensemble et dont la chanson 1, 2, 3.
Parce qu'encore une fois, il y a un truc très. Et ça faisait. 1, 2, 3, nanana. Qui a un truc one, très. Two, six, Alice, 7, 8, 9. Mais je, en fait, à l'époque, je chantais en yaourt. Donc je peux te faire juste ce que je chantais à l'époque. 7, 8, 9, les œufs. 10, 11, 12. Enga, de blues. Et en fait, c'est une chanson qui parle du rock'n'roll. Parce que je l'ai réécouté récemment. J'ai découvert. Je n'ai pas appris les paroles pour autant, mais. Que c'est une chanson, c'est une ode, c'est, ils déclarent leur amour au rock'n'roll et tout machin. Il est trop ça, bien je ce morceau. Je ne savais absolument pas. Moi, juste trouvé ça cool parce que ça faisait 1, 2, 3, come on. Ah, c'est 1, 2, 3. 1, 2, 3, come on, baby. Ah, c'est ça. Et ça swing. 4, 5, 6. En fait, ça swing tout simplement. Ouais, et du coup, ouais, Goldman, pour moi, grosse Madeleine de Proust. C'est ça l'écrivain en question, c'est Proust, je me trompe exactement, pas. Exactement, tu te trompes et pas. Et le truc à manger, c'est bien la Madeleine. C'est la Madeleine, c'est, exactement. C'est Goldman, ouais. Ils écoutaient beaucoup Goldman et cet album-là, j'en ai beaucoup, beaucoup bouffé. Et après, les deux, c'était deux parents. Qu'ils écoutaient en commun, quoi. Ouais, hein, c'était deux parents qui écoutaient vraiment cet ouais. album-là. Ouais. Il n'y avait pas ouais. un côté. C'est très souvent ce qu'on me raconte, et même moi dans mon histoire personnelle, c'est les parents, ma mère écoutait ça, mon père écoutait ça, tu vois. Genre, il y a vraiment ouais. un truc très différent entre les parents. Bah, moi, mais je ne me rappelle pas de l'époque, mais je sais que mon père, ouais, ça c'est mon père, il écoutait Jean Ferrat. Et ma mère écoutait Patrick Bruel. Ah oui. Ça marche, quoi. C'est, Ah yes, ouais. Ah, ouais. Grosse ambiance Jean Ferrat à la maison. C'est, ouais. c'est toujours bien pour ouais, bah, en fait, c'était même. En fait, c'est marrant parce que ça m'est revenu plus tard comme une grosse Madeleine de Proust dans ma gueule. Donc là, je triche un peu parce que ce morceau a marqué ma vie. Mm. Mais j'étais pas au courant quand j'étais petit qu'il marquait ma vie. Je m'en suis rendu compte genre à 20-25 ans. Ouais, normal. Attention, ça y est, je me livre, c'est parti. Quoi. Allez, c'est bon, c'est parti. Mon père, moi, mes parents ont divorcé genre quand j'avais, je sais pas, 9-10 ans. Et du coup, j'ai des souvenirs avec mon daron, mais j'en ai pas un milliard de mon daron à la maison qui fait des bails normaux autres que venir nous chercher pour s'occuper de nous un week-end sur deux, quoi. Mm. Et du coup, un jour, je regarde un spectacle de danse avec ma copine de l'époque sur une cassette VHS. On est quand même toujours à l'ancienne. Je regarde un spectacle de danse parce qu'elle, elle faisait de la danse. Et du coup, on regardait, je sais pas, un spectacle. On regardait un spectacle ouais. global avec plein d'élèves qui font des trucs de danse. Et soudainement démarre une choré sur... une chanson de cet album, justement, de Jean Ferrat qui chante Aragon. Aragon, et c'était genre « Aimer à perdre la raison ». Et soudainement, je suis saisi d'une émotion incroyable, en mode je chiale et fou, je suis submergé d'émotions et je me dis « Mais what the fuck ?» Et je percute, parce que c'est parce que soudainement, c'était un truc qui m'a évoqué ma petite enfance et mon daron à la maison et tout ça. Quoi. Ouais, c'est vraiment le recul de la vie qui t'a amené ce ouais, truc ouf, très hein. puissant. Je me suis pris en pleine gueule. Et en plus, à l'époque, c'était sur une VHS et tout, je savais même pas ce que c'était. Je pouvais pas chasamer rien et tout, machin. Et bah j'ai ouais. retrouvé plus tard ce que c'était. Et effectivement, mon père m'a confirmé que c'était bien un truc qu'il écoutait quand j'étais petit. Et donc, ça confirmait qu'en fait, j'aimais mon père, contrairement à ce que je revendiquais, quoi. Ah, c'est incroyable. C'est fou. Et du coup, tu écoutes du Jean Ferrat aujourd'hui ? Ou alors c'est juste parce que t'as entendu à moi ce moment-là ? Moi, si j'ai envie de pleurer, quoi. Ouais, si voilà. J'ai envie de chialer. Ouais, c'est ce que je disais. C'est vrai, Jean Ferrat, c'est magnifique, texte sublime. Mais vraiment. Bah là, il chante Aragon, là. Je ne suis pas un expert. Je connais que quand il chante Aragon, moi, Jean Ferrat. Il okay. reprend le Aragon, les bails de Aragon. Est-ce que ton père était un homme de lettres ? Enfin, il aimait beaucoup les beaux textes ? Ou alors c'est juste là, Jean Ferrat, ça le touchait particulièrement ? Bah, je pense, ouais. Ou alors c'est lui aussi, Aragon, ça lui rappelait son enfance. Et ouais. tu vois, c'est un cycle, quoi. Mmh, mmh. Et toi, qu'est-ce qui te rappelle ? Mais c'est vrai que. Ouais, excuse-moi, vas-y. En général, j'écoute pas de la musique, moi, pour pleurer. Enfin, je sais que peu de gens, j'imagine, font ça. Mais il y en a des fois, ils sont dans un mood un peu triste et puis ils vont avoir envie d'écouter un truc dans ce mood-là et tout. Moi, c'est vrai que j'écoute beaucoup la musique plutôt pour me donner de la patate. Donc, je vais pas trop écouter des trucs tristounes. Mais après, je sais qu'en même temps, la musique est vraiment un truc qui peut me faire voyager dans le temps, encore plus que le cinéma ou les séries et tout. Parce que du coup, soudainement, quand. En fait, ça me rappelle, tu sais, une couleur, une émotion, un ah truc oui. d'une époque, quoi. J'ai plein de musique, si je réécoute, ça y est, je suis heureux à la fac, je suis heureux. Au lycée, écouter du punk rock et tout machin. Enfin, ça me refoule vachement dans l'ambiance et tout. Et je trouve ça ouf. Et du coup, ça m'est arrivé quelques fois dans ma vie, soudainement, d'entendre une musique et d'être hyper ému, les larmes et tout machin, alors que je m'y attendais pas du tout, quoi. Ouais, en fait, à différents moments. Et en plus, ouais. sans le vouloir, c'est juste ouais. dans au détour d'une playlist, d'un morceau qui passe à la télé, à la radio ou un de tes potes fait, qui ouais. passe. En fait, du coup, t'as un gros ouais. flashback comme ça qui te... Maintenant, j'ai identifié ces sons, donc si tu veux jouer à voir les larmes monter, bah tu me mets Aragon, Aragon. Eh ah. ben écoute... Let's go. Est-ce que t'entends du coup la musique sur le retour ? C'est Aimer à perdre la raison, ça ? Ouais, c'était Aimer à perdre la... On est sur la fin d'Aimer à perdre la raison, là. C'était vraiment... On va mettre au début, si tu veux que je chiale. Alors attends, on va remettre au début, hein. Moi, je suis là pour ça, pour le buzz, hein.
On va faire un TikTok. On va faire un TikTok. Aimer à perdre la raison. Ah non, mais je... Ah non, tu vois, je suis mal. J'ai pas envie de faire ça. Tu vois, je veux pas le tenir. Tu vois, je suis pas bien, là. Mais ton public veut des larmes, enfin. Tu leur enlèves ce qu'ils veulent. Oui, c'est mais ça. Mais c'était pas la version la même. Donc, ça se trouve, j'aurais pleuré que d'un œil. Donc, ah, si tu veux. Alors, j'ai la version des enfoirés, si tu veux. Ah non. C'est cadeau. Ah, mais c'est cadeau. J'ai jamais compris. Je sais pas ce qu'ils font, mais vu leur nom, je les déteste. Ils portent leur nom. Quel enfer. Non, par contre, parce que tu parlais de t'aimes bien, tu parlais de capsule temporelle, tu as identifié ces chansons. Toi, du coup, tu aimes bien spontanément aller écouter des chansons pour te rappeler des souvenirs, ou c'est juste t'aimes bien la surprise du son écouté. Des fois, des fois, on me dit que je suis très dans les, parce que j'ai beaucoup de références aux trucs un peu à l'ancienne et tout ça machin, mais je me vois pas forcément comme quelqu'un de nostalgique malgré tous mes délires autour d'Hélène et les garçons, de Radmain et demi et tout ça. Mais c'est vrai que, enfin, j'écoute. En gros, voilà, je suis pas coincé parce que je sais que j'avais vu une stat. Enfin, j'avais vu passer un truc en mode à partir de 30 ans, il y a genre la moitié. C'est pas ça les bons chiffres, mais bon, t'auras l'idée. Il y a la moitié des gens qui écoutent plus rien de nouveau. Qui c'est vont ça. Écouter que ce qu'ils ont écouté. C'est ça. Et d'autres qui vont écouter des nouveaux trucs, quoi. Exactement. C'est vrai que moi, j'écoute des nouveaux trucs. J'essaie de pas être un vieux con trop rapidement. Et puis même, j'apprécie et tout ça machin. Faut juste que les sons arrivent à m'attraper, puis après ils sont dans mon cœur et je les écoute à fond. Mais je vais des fois écouter un peu des trucs à l'ancienne, mais c'est plus c'est les Pink Floyd que j'ai. Après là on spoil un peu la suite, mais non mais on avance. En fait le but c'est aussi on fait des bonds dans le temps, on revient, t'inquiète, y a pas de souci, y a pas de problème. Ouais les Pink Floyd j'aime bien aller me remettre dans des bails de fac quand je veux mettre des trucs en fond parce qu'en plus il y en a plein, tu vois, donc c'est pratique quoi. T'enchaîner des albums et tout. Ah bah ça, là Pink Floyd et puis c'est, et puis t'as vraiment des, ouais, des morceaux de 18 minutes hein, juste des fois ouais. Là t'es bien hein. T'as un morceau des Pink Floyd comme ça que tu préfères, si t'aimes vraiment te mettre J'ai mon morceau préféré des Pink Floyd. Ouais c'est lequel? Là tu on fait des sauts dans le temps quoi. Il est sur l'album Atomert Mother. Ouais, et il s'appelle Summer 68 et il est incroyable morceau. Et là en plus c'est des bails musicaux parce que c'est vrai que souvent j'écoute de la musique pour me donner de l'énergie, tout ça. Et après, tu as des fois les morceaux qui t'emportent, quoi. Des trucs très orchestraux, très cinématographiques ou tout pète. Mm. Et Summer 68, c'est ça, quoi. C'est un morceau qu'avec mon meilleur pote à la fac, on écoutait tout le temps. Et tu sais, les trucs où tu as toujours des moments d'ennui dans la chanson qui t'attrapent de fou. Et tu es submergé d'émotions. Et après, quand tu réécoutes la chanson, tu te dis, le moment va arriver, mais je vais pas me faire attraper de la même manière. Là, ça va pas me refaire le même truc. Et voilà, et let's go. Tu fais balayer à chaque fois. Toujours. Summer 68. C'est encore aujourd'hui, quand on me dit c'est quoi ton morceau préféré, je pense que je dis ça parce que c'est dur cette question. Et je pense que je le dis toujours. Tu l'as balancé là? Ouais, je l'ai balancé en fond doucement, mais. T'entends pas? Et c'est le tout pétage orchestral quoi. Le là, tout pétage orchestral. Ah, c'est magnifique. Moi j'adore. En plus, c'est probablement mon album préféré des Pink Floyd. Ah ouais? Ouais. Ah, Summer 68, ouais, je pense que c'est peut-être mon album préféré, je trouve que, je sais pas, j'ai toujours aimé ce disque en particulier, c'est vrai que cette chanson est vraiment magnifique. Donc on va revenir. Si je veux me rappeler la fac et les donc, joints. Donc tu mets ça. Donc on va revenir un peu en arrière, parce qu'on parlait de ton enfance il y a deux secondes, des morceaux qui pouvaient t'évoquer aussi tes parents. Tu as des frères et sœurs, Aurélien? J'ai un grand frère. Tu as un grand frère. Est-ce que ton grand frère t'a un peu transmis... de la musique, des choses, il t'a fait écouter des choses dont ouais, tu te souviens? Ouais, pas au début, ouais. Là dans mes souvenirs et tout, mais après plus ouais, quand j'étais au collège, que j'allais écouter un peu les trucs de rock qu'il écoutait lui au lycée, tu vois, des trucs comme ça. Mm. Mais pas au début, ouais. Au début, bah, il y avait l'influence de mes parents, il y a forcément l'influence de mon frère, mais là j'ai pas d'exemple en tête. Après, je sais qu'après mon délire de Frederick Goldman Jones, qui était inspiré vraiment d'un kiff de mes parents que je me suis approprié moi aussi, et puis qu'on aimait bien aimer ensemble. Le premier son que j'ai kiffé par moi-même, parce que c'était un tube et que du coup je l'ai entendu sans que mes parents aient à le mettre dans la chaîne Hi-Fi, c'était Danny Briand, Suzette. Tu l'as? On a dit qu'on jugeait pas sur cette chaîne. Je ne juge pas, mais ça, quand même, pas mal. Suzette. Après, on n'a pas eu le tout pétage de Pink Floyd, par contre, mais bon, bref. Ah, tu veux le tout pétage de Pink Floyd? Ouais, bah on le remettra quand on sera à la fac. On va teaser et on le remettra quand on le tease. Ok, on le tease. Quand on reviendra. Alors, Suzette, Danny Briand, oh merde, dis-moi où tu dois. Bah, ça, je pense que vaut mieux que tu le chantes, non? Plutôt que de le mettre l'express. Ah, bon, on va le mettre. Ah non, je suis désolé. Ah oui, tu veux pas lui donner de la SACEM, c'est ça? Je comprends. Non, mais j'avais envie de t'en chanter. Je comprends.
Mais ouais, j'avoue, je trouve ça hyper catchy et tout. Et c'est le premier son que j'ai eu envie d'apprendre par cœur, tu vois. Encore un morceau qui swing. C'est un truc un peu. Oui. Ah bon, on se régale, hein. On se régale, hein. Je dois vous confesser, j'adore cette chanson. Aïe, aïe, aïe. Oui, c'est ça. En fait, je te dis pas. Moi, j'entends vraiment tout doucement, mais je sais pas si c'est le cas de tout le monde. Le son est pas très fort là. Et puis on est dans la lampe, j'ai perdu la chaque fois que je vois Suzon. Je comprenais pas pourquoi elle changeait de prénom par contre. Parce qu'elle dit Suzette et après Suzon. Je me disais bon, ok. Pour moi, c'est un son. Comme dans les paroles de chansons que je comprenais pas trop Balavoine, souvent je disais, mais. Je disais bon, ok, on va laisser faire. Fallait faire une rime. Ouais, on rigole beaucoup parce que sur cette chaîne, on regarde la Star Academy. On regarde les vieux primes de la Star Academy le vendredi soir et en fait on a un jeu, c'est que Dany Briand a été tenu en otage par la Star Academy sur au moins quoi on a regardé 5 saisons, il vient au moins une fois par saison, au moins une fois, à chaque fois il y a toujours un moment donné où il repop, on sait pas pourquoi, il repop une deuxième fois, une troisième fois par saison et ça nous fait rire à force parce que vraiment en plus on va pas se mentir mais t'es Dany Briand c'est pas le vieux beau, mais tu sais, c'est le gars qui swing un peu... Molo. Tu vois ce que je veux dire, Molo sur Dany. Non, mais Molo sur Dany. Non, mais en fait, c'est juste que son comportement sur la scène de la Star Academy me fait dire ça, clairement, tu vois. Je peux me permettre de dire ça, vraiment. Ça, j'ai pas vu. Moi, je suis resté sur Suzette, moi. Ouais, bah, c'est bien. Reste, tu sais quoi, reste sur Suzette et la chanson Suzette. C'est très bien. Je suis resté sur l'époque où il brillait vraiment. Ouais, où il était très bien. Reste là-dessus. Il était vraiment brillant. Et bah, c'est parfait. Reste là-dessus, tu vois. Donc Dany Briand, ton tout premier souvenir, donc en fait c'était un truc du coup, comment du coup t'écoutais à l'époque ce morceau? C'est que t'attendais que ça passe à la radio? Tu t'étais acheté carrément le CD? Comment ça se passait? À l'époque je crois fallait acheter des journaux en noir et blanc, il y avait les chansons en morse, tu vois, fallait mettre le doigt comme ça. Ah oui, à l'époque, je m'en souviens. Non, je sais pas. Dans un orgue de barbarie, on le passait comme ça avec la manivelle, et puis on était... Moi je m'en souviens. Je sais pas si, soit ça passait en clip. Je sais même pas s'il y avait des M6 qui passaient des clips à l'époque déjà. Soit dans le... je sais pas, soit ça passait à la radio. Peut-être mes parents, ils avaient acheté le single. Après, c'était un vrai tube à l'époque, attention. Ah oui, c'était énorme, mais oui, bien sûr. Ah, je pense que ça va... On était inondés de Danib. Mais ouais, j'avais pas le single. C'est pas... Mes parents ne m'avaient pas acheté le single non plus. Bah, j'avais 7 ans, donc... Enfin, je sais pas... Le single, pour les gens, c'est juste l'objet que t'achetais. Mm. Mais il y avait une seule chanson dedans, c'était pas l'album. Il y avait une chanson, une petite face B souvent quand même. Mais voilà, ça coûtait beaucoup moins cher qu'un album, mais tu pouvais écouter la chanson en repeat si tu voulais, ce qui était impossible à faire autrement. Enfin, à part l'enregistrer à la radio sur une cassette. Sur une cassette, audio, etc. Et après, faire avant-arrière, quoi. Tu l'as fait ça ou pas? De faire enregistrer des trucs sur des cassettes à fond. D'enregistrer sur des cassettes, faire des tapes avec plusieurs sons et tout, tu t'es amusé à faire ça? Ouais, à fond, ouais. Mon frère faisait beaucoup ça. Ouais, tu faisais ça sur quoi? T'enregistrais quel type de radio, toi, quand tu faisais ça? Ah, bah à l'époque, la radio star, c'était Skyrock. Mais qui passait pas du tout de rap. De rap, ouais. Parce que le rap existait pas beaucoup encore. Donc ça passait un peu de tout. Ouais, c'était Skyrock qui était cool, parce que c'est là où il y avait les émissions de Libre Antenne qui étaient un peu chambées et tout. Mais ouais, moi j'étais pas à la recherche de musique. Hein. Si soudainement un truc passait et que ça m'attrapait, je faisais hey! Mais j'étais pas du tout. Ouais, t'étais pas quelqu'un qui dénichait de la musique. T'avais pas envie de. Tu te laissais juste porter par les recos qu'on pouvait te faire ou les trucs. Tant mieux, parce que c'était très compliqué de dénicher quoi que ce soit à l'époque. Quoi. Ouais. Enfin, si, il y avait la radio, quoi. Parce que tu parlais au tout début du fait que t'étais vachement influencé aussi par les génériques de dessins animés, etc. T'as été peut-être influencé par la musique qui passait dans des séries à l'époque. Il y a peut-être des choses qui t'ont marqué, ouais. Il y a peut-être des choses qui t'ont marqué, justement. Tout à fait. Bah, en fait, c'est marrant parce que, justement, dans les exemples, en l'occurrence, j'y retrouve des sonorités que j'aime toujours bien aujourd'hui. Donc, c'est marrant. Soit c'est un truc qui est ancré en moi depuis toujours, ou soit c'est ce goût qui s'est développé dans des musiques de dessins animés que j'ai pu entendre et qu'aujourd'hui, j'aime retrouver ailleurs. Dans des musiques qui ne sont pas du tout, plutôt de la musique électro en fait, tu vois, ou de l'électropop. Mais ouais, moi j'aimais beaucoup. En fait, c'est marrant parce que quand c'est lié à des souvenirs, on s'en rappelle plus parce que là, j'imagine que j'oublie 20 000 trucs que je kiffais, tu vois. Mais je sais que dans du coup, le dessin animé, dans l'animé Ranma 1/2 qui passait au Club Dorothée, je me rappelle qu'il y avait une musique du coup de l'OST et de la BO de Ranma, tu vois, dont je t'ai envoyé le lien d'ailleurs ça. Tu m'as envoyé, je l'ai. Impossible à trouver. Je l'ai, il faut juste. Et je sais que voilà, alors c'est la musique du coup qui s'appelle Beat the Clock, après des recherches qui a été retrouvée. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que cette musique, elle passait du coup dans l'animé souvent. J'étais puni, voilà, c'est ça. C'est que j'étais puni par mon daron,
Et j'avais pas le droit de regarder de dessins animés, j'avais pas le droit de regarder la télé. Mais je lui avais dit, s'il te plaît, papa, il y a une musique dans l'épisode que j'aime trop. Et je veux la entendre pour l'avoir dans la tête. Parce que ça marche assez bien, moi, le système, avoir une musique dans la tête, tu vois. Et je disais, je veux la entendre. Peut-être pas le délire de d'en avoir dans la tête, peut-être que je rajoute des éléments, je ne sais pas. C'était en 1912, 13. Et je lui avais dit, s'il te plaît, laisse-moi regarder cette scène de Ranma. J'aime trop la musique, quoi. Et il avait dit oui. Et en fait, ce qui me rendait fou dans cette musique, c'est que c'est une petite musique, une petite boucle et tout, machin. C'est ça, là ? Tu l'entends ? Pour rendre honneur au compositeur de l'époque qui s'appelle Kenji Kawai, qui faisait plein de musiques de dessins animés et qui a aussi fait la musique genre de Ring ou de Darkwater, tu vois, donc il faisait aussi des musiques de films après. Et cette musique, en plus, par rapport à la scène, de ce qui se passait dans la scène, il y avait une accélération et du coup, la musique accélérait. Et je sais que je trouvais ça fascinant, quoi. C'est incroyable. Je sais pas, est-ce que les gens l'entendent ou pas, le son ? Ah, tu l'as mis là ? Ah, bah, moi, j'entends rien. Tu l'entends, ouais, c'est bon. Il y a un moment donné où ça fait. Là, t'as l'accélération, oh, normalement. Ouais. Ça rend fou. Je connaissais pas, tu me l'as envoyé tout à l'heure. J'ai écouté, j'ai fait ça. Oh, ce son est incroyable. Ça rend fou. Donc voilà, vraiment un son ouais, que j'avais envie de me refoutre, quoi. Donc, c'est incroyable. Rembobiner sur la cassette VHS pour revoir cet extrait. Ok. Donc je ça, ouais, juste... voilà. Et ça, je sais que c'est marrant parce que ça... l'orchestration et tout, c'est à l'ancien à l'époque, c'est une musique de dessin animé et tout ça. Mais dans le mood, dans la créativité du truc et tout, je sais que c'est toujours un truc... parce que c'est toujours difficile de savoir si ça me fait kiffer parce que ça me faisait kiffer et que c'est fou de l'avoir entendre. Ou si c'est juste parce que ça me fait toujours kiffer premier degré, quoi. Parce que c'est ça aussi, souvent on parle du rapport à la nostalgie en disant tu kiffes parce que tu kiffais. Mais moi je trouve que pas forcément, dans le sens où j'ai un nouveau rapport avec les choses que je kiffais à l'époque, quoi. Je regarde pas du tout Hélène et les garçons comme je le regardais quand j'avais 10 ans, forcément. Oui, tu vois. Heureusement. Aujourd'hui, forcément, il y a une saveur du fait que je regardais ça il y a 30 piges. Mais mon regard, il a vachement évolué et je l'apprécie pour d'autres manières. Donc, je trouve que c'est pas... c'est pas la nostalgie, le côté péjoratif, tu vois, qu'on colle souvent un peu à la nostalgie, quoi. Ouais, c'est sûr. Ouais. Est-ce que je vais juste dire aux gens qui nous regardent, parce que c'est quelque chose que je précise pas souvent, si vous avez des questions à poser à l'invité, le chat est là pour ça. Hein. Évidemment, c'est un dialogue entre, enfin, voilà, on discute avec Aurélien, mais si vous avez des questions à poser Aurélien, profitez-en, on est en direct. Ouais, n'hésitez pas à poser des questions. Moi, j'ai pas le réflexe et puis le chat est là, donc. Aurélien a le chat sous les yeux. Nous, on peut faire apparaître les questions plus sur l'écran pour celles et ceux qui veulent que ce soit un peu plus mis en avant. Donc il y a pas de soucis, n'hésitez pas à le faire. Ça peut être vraiment très Aurélien, à quel âge sans indiscrétion? Ah bah quelqu'un a dit il est de 83, mais je vais éviter éviter un calcul à la personne. Du coup j'ai 38 ans, bientôt 39. Il y a Tim qui demande rien de rien. Vous savez pourquoi Aurélien Prévost déteste le port d'Amsterdam? C'est parce que c'est un morceau monoprise. Ok, d'accord. Ok, super. Waouh, c'est un rapport à multiprise. Elle est très technique celle-là. Vraiment, parce qu'elle fait appel à ce YouTube que tu as fait en tant que YouTuber. Que j'avais avec Freddy et Anis. C'est validé. Il y a beaucoup de gens qui apprécient ce genre de van. Voilà, on se régale sur cette chaîne. Tu vois, il y a une super communauté. Voilà, ça te va ? Si ça te va, moi, ça me va aussi. Hein. Moi, c'est validé. C'est validé pour moi. Ok, aussi. C'est validé. Quand tu grandis, mon cher Aurélien, tu passes, on va dire, en primaire à peu près. En primaire, ouais. C'est à peu près les mêmes souvenirs que tu as. C'est quoi ? C'est dessins animés ? Il y a des musiques qui te reviennent sur cette période de ta vie ? C'est marrant parce que, ouais, en fait, moi, primaire, j'avais toujours pas j'ai toujours pas trouvé mon genre musical ou mon délire ou mon truc, quoi, tu vois. Et je sais que, en fait, moi, on avait vraiment un délire ensuite avec mon grand frère et plein de potes du quartier et tout. On aimait beaucoup les mangas. Et du coup, on avait un délire un peu, on était fan, tu vois, de trucs, quoi. Chacun était fan de moi, je suis fan de ça. Et après, on grattait à fond là-dedans, quoi. Et du coup, je sais que au collège, c'est pas un truc que j'allais raconter à mes potes de collège, parce qu'à l'époque, je sais pas exactement où ça en est aujourd'hui, mais j'ai l'impression quand même que lire des mangas, regarder des animés aujourd'hui, ça va, c'est cool, même les adultes peuvent le faire, donc j'imagine bien qu'au collège, on dit pas que c'est pour les bébés, mais à l'époque, c'était complètement le cas. Donc c'était juste avec mes potes de quartier, quoi. Et du coup, j'écoutais des BO de Ranma ou alors de temps en temps un tube qui m'accrochait, un tube du Hit Machine, tu vois. Oui. Un tube qui passait sur M6 chez Charlie et Lulu, tu vois. Mais c'était ponctuel, quoi. C'était pas du tout des goûts. Même si aujourd'hui mes goûts peuvent aller un peu dans tous les sens aussi, j'ai l'impression que je voudrais même de plus un peu capter ce que j'aime bien. Et c'est vrai qu'à l'époque, c'était vraiment.
Ce qui est pas. Enfin, il y a encore plein de gens adultes qui consomment la musique comme ça. C'est-à-dire qu'ils s'en foutent un peu, qui écoutent la radio, et puis quand il y a un tube qui accroche, ils kiffent dessus, tu vois. La majorité des gens aujourd'hui écoutent de la musique comme ça. Hein. Vraiment. Hein, les gens se laissent porter soit par ce qu'ils écoutent à la radio, à la télévision, ou alors par les algorithmes de YouTube, et c'est pas un mal, hein, c'est pas grave. On a toutes des manières différentes de découvrir de la musique. Donc, moi, j'étais plus dans cette optique-là, à quand même suivre un peu ce qui se faisait, mais à toujours plus kiffer. Enfin, pas en tout cas, pas avoir de vraie identité musicale, tout ça quoi. Je sais que, bah, allez, enfin, moi, je, pour l'anecdote, alors ouais, si quand même, j'aimais bien Ace of Base, tu vois ce que c'est, Ace of Base, bien sûr, et c'est le premier album que mes parents m'ont acheté, mais ça, j'étais même encore en primaire, hein, je crois, hein. Et c'était une cassette, c'était un album en cassette, et j'aimais beaucoup ma préf, c'était All That She Wants, ouais, et ce qui est génial, c'est que pour moi, elle est hyper solaire cette chanson. Elle était genre... Enfin, je trouvais ça fou, en fait. Je me disais, putain, comment ça peut me mettre de bonne humeur, tu vois, comment ça peut me... Je kiffais les enchaînements, ça... il y avait un côté un peu jouissif, tu vois. Énorme tube, en plus. Ouais, et je pense que c'est une des premières fois où j'avais ce truc musicalement. Et on l'entend, là. Ouais, ouais. Tu devrais l'entendre, normalement. Bon, en même temps, on veut le refrain, mais... Je peux te le mettre, si tu veux. Allez, vas-y, va au refrain. Et surtout que j'ai découvert récemment, en fait, adulte, sur les coups, tu comprends ce qu'ils disent. Et en fait, c'est triste, ce qu'elle raconte. All that you want, baby. Yeah. Et la folle, son c'était foufou, quoi, tu vois. Sauf qu'en fait, ça dit tout ce qu'elle veut, c'est un autre bébé. C'est une meuf triste qui veut juste un autre bébé, quoi. All that she wants is another baby. Mais moi, j'étais pas du tout au fait de ça. J'étais un baby, quoi. Mais en vrai, même encore aujourd'hui, t'es adulte, si t'es pas anglophone, ou si tu comprends pas un petit peu, même un peu anglophile, enfin tu comprends pas les paroles des chansons, tu t'enjailles surtout sur les mélodies et mélodies vocales, tu vois, c'est pas grave non plus, tu vois, c'est... Elle veut juste un bébé. Ouais, bah toi, on en a parlé récemment, il y avait une chanson là de... Comment il s'appelle ? Michel Tello, c'est ça ? Une chanson en espagnol, de souvenir, si je me trompe pas, apparemment, les paroles, j'ai jamais demandé la signification des paroles, parce qu'à chaque fois qu'on passe cette chanson sur cette chaîne, tout le monde me dit que la signification... Ah oui, c'est en brésilien, pardon. C'est juste abominable. On me dit vraiment que le sens des paroles sont juste horribles. Tu vois, c'est pas... Bah ouais, bah c'est pas grave, on clappe des mains et c'est l'été et on est content, tu vois. C'est pas très grave. Et ouais, j'aimais beaucoup celle-là. Et je l'ai trouvé fort parce que y a leur autre tube, c'était Happy Nation, qui pour le coup, dans le titre, il y a Happy, mais qui pour le coup avait un côté hyper grave, et je me disais, waouh, putain, c'est fou, ils arrivent à faire un truc hyper solaire sur une meuf qui est triste parce qu'elle a pas d'enfant, et enfin je me disais pas ça, et une chanson hyper grave en mode c'était hyper dark et tout quoi, c'était un peu Era, tu vois, Les Visiteurs, tu la connais, et je me disais, putain, ils sont forts, ils ont tout le panel, tu vois, ils ont la voix, ils ont la tristesse. Ils ont tout le panel. Mais... je me disais, quoi, ils sont trop chauds, quoi. Tes parents t'ont offert l'album, parce que moi, c'est une question que j'aime bien poser, genre le premier CD que t'as acheté ou le premier qu'on t'a offert, ils t'ont offert l'album parce que tu l'as demandé, ou alors parce qu'ils ont vu que tu t'enjaillais sur Ace of Base et... Non, je pense que j'ai dû demander, ouais. Ouais, t'as... Je pense que je l'ai demandé, clairement. Et quel est le premier CD que tu as acheté toi-même? Tu te souviens de ça ou pas? Bah c'était tard, hein, parce qu'en plus ça coûtait méga cher. Hein. Je sais que mon premier album, donc c'était en cassette, c'est Ace of Base. Mon premier single, c'était Mallory Nataf, comédienne des sitcoms AB Productions, qui jouait dans Le Miel et les Abeilles, et qui avait sorti un disque qui s'appelait Les Filles, c'est très compliqué. Et j'avais ce single en sixième, et c'est le premier single que j'ai eu, mais j'ai pas été l'acheter avec mon argent, je pense que ça... Et après, je sais que ma daronne, elle avait un business avec une collègue de taf pour avoir des albums pas chers, je sais pas quoi. Et du coup, j'avais choisi deux albums. Ah. Et ça, pareil, je devais être en sixième, cinquième. Et du coup, ce sont mes deux premiers albums CD. Et ce sont l'album, enfin, il s'agit de l'album d'Ophélie Winter et de Doc Gynéco. Donc, il y a un écart. Donc, stylé, hein. Donc, t'as acheté l'album, c'est Soon, c'est ça l'album? Enfin, non, Soon, c'est la version... c'est la version anglaise, c'est No Suicide, je crois, en français. Ouais, ouais, ça doit être ça, ouais. C'était ça? Ouais. Mais j'aimais pas trop Dieu m'a donné la foi. Parce que je me sentais un peu exclu. Je me disais, mais qu'est-ce qu'il raconte? C'est quoi ces histoires de Dieu, tout ça? Parce que j'avais pas fait du catéchisme. Donc je l'avais pris un peu perso, mais elle était quand même méga bonne. Donc je crois que j'aimais bien. Aurélien, calmez-vous. La vérité, j'étais en sixième, ça va. Oui, je comprends. Oui, voilà, c'était l'album que tu voulais à ce moment-là. Ouais. Je comprends. J'aimais bien ces autres sons, mais je crois que celui-ci, j'étais pas fan, quoi. Et du coup, bah, quel autre son? Shame on You? C'était quoi le son que tu préférais? Bah, Shame on You, j'aimais bien, mais plus pour le clip, on va pas dire pourquoi.
Et je l'ai réécouté récemment et j'ai envie de dire, Ophélie, fais confiance au garçon. C'est quoi ce... Il y a des mecs qui lui ont fait des vieux coups, elle a perdu toute confiance en les gars. Mais normal aussi. Mais normal, t'as vu les gars aussi, mec. T'as vu les gars. Pardon de le dire. Tu parles de moi, j'étais en 6ème. Hein. Calmez-vous. Calmez-vous. Non, les garçons, mais c'est pourri, dit Momo, tu vas dans le chat. Les garçons, c'est pourri. Et du coup, ah merde, et Doc... les gens veulent me ban. Mais non, mais j'étais en 6ème. Peut... Bah, bannez-moi, mais en 6ème, ça y est, pas de galère. Doc Gynéco. Aussi. Et Doc Gynéco, ouais. Le première consultation. Première consultation. Le première consultation. Alors ça, alors ça, du coup, c'était quoi? C'était première consultation, c'est parce que, pareil, tu t'avais entendu des sons, t'as vu Doc Gynéco et t'as dit, ah bah ouais, ça c'est... Ouais, voilà, ouais. C'était bien voir le docteur, quoi. Ouais. Mais je me rappelle pas que j'étais fan, mais je me rappelle que je kiffais bien d'avoir l'album. Je t'aimais bien un truc où il disait dans ma rue, j'aimais bien dans ma rue. Ah, dans et ma à un rue. Donné, je me rappelle juste, il disait... Ce n'est pas comme dans le showbiz où les mecs se font la bise. Je me disais, ok, c'est intéressant. J'apprenais des choses, tu vois. Elle dit, non, dans ma rue, les lascars se serrent la pince. Ce n'est pas comme dans le showbiz où les mecs se font la bise. Je me disais, ok. Et c'était à Porte de la Chapelle. Et j'habite pas si loin de Porte de la Chapelle. Je pense souvent à Doc Gynéco. Ça te marquait, du coup, forcément. Ouais. Et ce son est incroyable. Ce son-là est trop, trop bien. Moi, je l'adore. C'est dans ma rue ? Ouais. À chacun ses délices, à chacun sa 8-6. Dans ma rue, les lascars se serrent la main. Ce n'est pas comme dans le showbiz où les mecs se font la bise. Dans ma rue, les Chinois s'entraident et se tirent par la main. Ah, il était lourd cet album. Ah, ouais. Les Youpins en plus, c'était un énorme album en 96. C'était pile le moment où ça a explosé et que c'était à fond, quoi. Ah, c'est 96, ça. Ouais, on a un peu avancé, quoi. Ouais, 96, ouais. Ah, de l'époque, ouais, je kiffais Alliance Ethnique aussi. Ah, yes. Ah oui, bah oui. J'étais street. Ah, respect, quoi. Je crois que je l'avais appris par cœur. Laquelle de Alliance Ethnique t'avais appris? Simple et Funky? Respect. Ou... Respect. Oh là là. Celle-là, elle est incroyable. Avec l'intro radio et tout. Qu'est-ce qu'il était bien, ce son. L'alliance va tellement. Ah oui. Oh, ça régale, ça. Ça, c'est... L'alliance va tellement. Oh là là, oui. Quand je parle, ça coupe le son, c'est ça ou... Non, c'est... non, ah non, non, t'entends, okay. On t'entend, tu peux parler par-dessus sans problème. De manière claire. Oui, c'est clair, je vous parle de respect, je vous parle de cette valeur qui se fait en effet. Parce que moi, quand je chante, ça coupe la musique, donc ça m'aide pas trop à chanter. Ah merde, désolé. Il y a des mots, je savais pas ce que c'était. Navigue sur le sillon, à un moment donné, il parle d'un truc du sillon, en fait, c'est le vinyle. J'ai compris plus tard, en fait, tu parlais du vinyle, quoi. Mais alors, il n'y a pas de vinyle à la maison? Parce que tu parlais beaucoup de CD. Non. Ah bah, on remarque, non, ouais, 80, les fans des années 80-90, c'est le début de, c'est la fin du vinyle total, les gens. Ou peut-être qu'il y en avait, mais comme chez tous les gens où il y en avait, ils ne l'utilisaient pas, parce que c'est chiant. Non, c'était mon cas, ça. Dans les années 2000, j'avais une platine vinyle, mais... Oui, voilà, t'es revenu un peu à... Un peu à... En fait, j'avais une platine vinyle, tu sais, avec un truc en plastique au-dessus pour ce que tu soulevais. Ouais. Et un jour, j'ai voulu écouter un vinyle. Et je me suis rendu compte que je pouvais pas soulever le truc en plastique parce qu'en fait j'avais mis sous ma télé et que ça bloquait. Mais sauf que j'avais mis sous ma télé il y a tellement longtemps que c'est le truc qui m'était fait me rendre compte qu'en fait je n'utilisais jamais ma platine vinyle. Ouais, oui, c'est ça, tu t'es vraiment vendu. Moi je me suis dit, mais c'est en fait je le regarde jamais, ce truc, quoi. Mais non, pas de. Je crois enfin, peut-être qu'il y avait chez moi quand j'étais petit, mais j'ai une mémoire très sélective. Et t'écoutais de la musique comment quand t'étais petit, du coup? Bah après là c'était radio cassette, enfin chaîne IFI, quoi, avec des cassettes. Ouais, t'avais une chaîne IFI dans ta chambre et tout. Ouais, après chaîne IFI avec un lecteur CD, quoi. Oh là là, quelle... la street. la street finalement. Donc quand tu grandis, quoi. On va avancer. Après je te dis, c'était pas très important pour moi, quoi. Vu que mes vrais sons, bref, qui me donnaient de l'émotion, parce que ça c'était le truc où je m'ambiançais, où j'avais envie de chanter, machin, tout ça, mais c'était pas la vraie émotion, parce que la vraie émotion... Encore une fois, j'allais la chercher dans l'autre truc, le lien YouTube que je t'ai envoyé tout à l'heure. Ouais, c'est ce que j'allais te poser. Et ça, pour le coup, je sais très bien que personne ne va dire « Moi aussi !» C'était un moment donné d'une musique d'un jeu vidéo. Et je vais juste raconter l'anecdote rapidement, parce qu'Aurélien m'a envoyé la ressource. C'est un lien vers une vidéo YouTube. Et il me dit « Faut que tu ailles là, et faut que tu ailles à… »
10 minutes 22. Donc c'est en plus un moment, c'est quasiment la fin de la vidéo. Au début je me suis dit mais qu'est-ce qu'il est en train de me faire, parce que c'est quasiment c'est un jeu japonais qui est jamais sorti en France, de Ranma, qui est un RPG en plus, parce que moi j'avais des jeux de... on avait l'adaptateur de la Super Nintendo, tu mettais un adaptateur dedans, tu mettais un jeu spécial et ton jeu japonais, tu pouvais le regarder dans ta Super Nintendo française, enfin tu pouvais y jouer. Et donc on avait des jeux de combat de Ranma, on comprenait comment ça marchait, mais par contre ça c'était un RPG. Mais mon gars, un RPG, encore aujourd'hui les RPG je comprends rien, même en français. Alors c'est putain en japonais quoi. C'est... Mais cette musique quand il marche dans la ville là, j'étais fan. Celle-là. Surtout le... là c'est piste tu vois. Il va y avoir un départ. Vas-y monte, monte, monte là. Ah, je peux pas monter plus. Un banger. Ah ouais c'est... Il va y avoir un drop. Ah c'est très précis hein. Et ça, ça me rendait fou, tu vois, par exemple. Ouais. Là, c'est de l'émotion, tu vois. Donc, musique de jeu vidéo. Mais c'était pas l'émotion, tu vois. Donc, musique de jeu vidéo, finalement. Trucs... Bah ouais. Donc là, toi, tu kiffais ça, en fait. C'était vraiment les moments dans les séries. Dans... En fait, c'est vraiment la musique qui accompagnait un support, en fait, qui te touchait visiblement plus. Bah ouais, je saurais pas trop dire, mais en tout cas, pour répondre à ta question, comment tu faisais pour écouter de la musique? Je branchais une Super Nintendo, je mettais un adaptateur pour jeux japonais, je mettais ce jeu. J'allumais un jeu auquel je comprenais rien et je marchais dans la rue jusqu'à ce qu'il y ait cette musique. Mais c'était compliqué à l'époque. Non mais c'est marrant parce que je trouve que quand on connaît le contenu que tu fais, en fait, t'as un très gros rapport à l'image, je trouve, tu vois. Les souvenirs que tu peux ancrer avec l'image, même tout ce que tu disais tout à l'heure, etc., sur les souvenirs, mine de rien, sont aussi visuels, ce que tu vis avec les gens et les musiques. Et j'ai l'impression qu'il faut vraiment que t'aies un truc aussi... que sonore, ça tu peux pas t'en contenter pour te créer quelque chose. Bah en tout cas, quand j'ai des images dans la tête, quand c'est que sonore, quoi. A priori. Mais bon, tout le monde, non. Je sais pas, c'est un peu pareil pour tout le monde, quoi. Je sais pas. De se mettre de la. Tu veux dire. Ah, c'est intéressant ce que tu dis, de dire en gros que des musiques qui te touchent, c'est aussi parce que tu crées des images dans la tête. Ouais, c'est un mood, c'est un truc, quoi. Ouais. Moi, je sais pas, j'ai toujours les sons qui m'emmènent et qui sont un peu dans cette sonorité-là. C'est toujours, j'imagine, un mec qui marche dans la rue, quoi. Mais je pourrais pas trop, c'est tellement abstrait, tu vois, que je pourrais pas trop. Ouais, bien sûr, ouais. C'est une espèce d'élan, genre, on y va, tu vois. Ah, mais c'est comme, c'est comme, y a pas, c'est comme l'image du... Justement, tu parlais tout à l'heure des gens qui écoutent de la musique pour être triste ou pas. C'est comme les gens qui disent, j'écoute une musique et là, j'imagine la tête contre la vitre du bus avec la pluie dehors et le bus qui part. Et là, tu penses à tout ce que tu as loupé dans ta vie. Moi, il y a un moment au-dessus dans le chat qui dit « Je ne vis pas du tout la musique de manière visuelle, c'est fou. » Mais c'est hyper intéressant, moi je trouve ça intéressant. Il y a des gens, je sais, qui écoutaient la musique. C'est genre sans se créer un... juste l'émotion pour ce que la musique véhicule, sans image. C'est pour ça que je trouve ça intéressant ce que tu dis, que tu as aussi Après, besoin de te créer quand des quand il y a des paroles en français, j'imagine que je vais moins faire ça parce que je vais attraper sur les 10 paroles, je vais en choper 2. Où je vais m'identifier et puis ça va prendre le dessus sur le reste et du coup c'est cette couleur que ça va donner au truc quoi. Mais après c'est vrai que j'ai beaucoup écouté de musique instrumentale quoi. Aussi beaucoup d'électro ou trucs comme ça, mais c'est vrai que je me rends compte avec le temps que quand j'écoute de la musique avec des paroles, alors que j'ai l'impression que je m'en fous un peu, bah, en fait je vais écouter surtout de la musique française en fait, du coup tu vois, ouais, pour t'accrocher à quelque chose en fait que tu comprends, bah, tu vois, ou tu peux te faire tu vois, pour finir, pour aller à la fin, pour revenir, mais là vraiment à la fin. Tu vois, cette année, ce que j'ai le plus écouté, c'est l'album de This Is, qui parle d'amour, il y a des vraies thématiques, il y a une vraie histoire et tout, donc tu sais, ça, c'est un film, tu vois, un peu le truc. Un des meilleurs albums. Étonnamment, je me suis remis à écouter l'album de Lompal de 2019, et c'est pareil, c'est très narratif, quoi, tu vois. Après, bon, il y a toujours un bail un peu, ça parle d'amour, j'ai l'impression. Et je ne suis pas un mec dépressif, tu vois, parce que je ne vais pas écouter ça pour chialer, parce que c'est vrai qu'il y en a qui... vont pas trop écouter ces chansons-là parce qu'ils trouvent ça triste en fait. Ils préfèrent des trucs qui ambiance et tout. Mais moi, ça m'ambiance vraiment. Et c'est quoi l'autre truc? Et le truc, c'est l'album de Kavinsky, tu vois, qui est pour le coup de l'électro qui t'emmène et qui est orchestral. Et bon, il y a un peu des paroles, mais c'est plus des trucs en anglais. Donc tu vois, je sais pas si tu pourrais vraiment définir ce que ça veut dire sur moi. Mais tu vois, aujourd'hui, là, c'est ça que j'écoute. Non, mais je comprends bien. Non, si, c'est un truc quoi, où tu as besoin. En plus, c'est marrant parce que Kavinsky. La musique a un côté très cinématographique. Alors ouais, je sais que des gens n'aiment pas le terme cinématographique, moi je le trouve très bien, parce que je trouve que Kavinsky justement crée un son où lui-même dit que ces deux albums sont les bandes-sons de films qui n'existent pas. Donc en fait, c'est hyper intéressant que tu aies ce rapport, encore une fois, à un album qui est la bande originale d'un film imaginaire.
Donc en fait, c'est ça, il crée cette musique pour exciter ton imagination, quoi, pour la challenger aussi. Donc c'est hyper intéressant. Très intéressant. Peut-être que ce qu'on peut faire, comme là on est en mode ce son là, pardon, je sais pas si sur le chat ça dit des trucs, hein. tu jettes un œil. Ouais, je jette un œil, t'inquiète, j'ai un œil. C'est trop cool qu'on puisse communiquer avec les gens, mais j'ai pas le réflexe. C'est incroyable, il y a des gens qui te disent bonjour, je vois Twitcheuse qui arrive bonjour, et qui te disent gens. Bonjour, voilà, il y a des gens qui arrivent tranquillement. Et ouais, j'allais te proposer tant qu'à faire, comme tu, au final tu ne respectes pas du tout la chronologie, que c'est un scandale. il m'engueule sur ma propre émission. et que tu fais des sauts dans le temps. Peut-être qu'on peut aller sur des sons un peu du genre, justement, tu vois, de ce son de... Ah bah vas-y, fais-toi plaisir. Parce que pour moi, comme ça, tu vas peut-être un peu capter, et puis après, tu me feras une analyse, et puis je te paierai, quoi. Évidemment, ouais, c'est 70 euros, je suis en zone 2. Bah, hein. Tu vois, par exemple, moi, un album... Il y a deux albums dans ma vie que j'ai kiffé à la première écoute. Parce que moi, en vrai, j'avoue, il faut que je me foute 4 fois un album, et après, je sais un peu ce que j'en pense, si ça y est, si j'ai accroché ou pas, tu vois, selon plein de facteurs que je ne maîtrise pas. Mais il y a deux albums dans ma vie que j'ai kiffé à la première écoute. Et, un des deux, c'est le premier album de Metronomy. Et les gens ne le savent pas forcément parce qu'ils ont pété avec The English Riviera, tu sais, en 2009-2010. Tout à fait. Qui était plus instrumental. Mais ils ont fait un album avant qui s'appelle The End of... The End of You, c'est la chanson que je kiffe en l'occurrence. L'album s'appelle Night Out. Ouais, Night Out, ouais. Et ça, je l'ai écouté. Et tu vois, il y a un côté très 8 bits. Tu vois, il y a un côté très jeu vidéo, très, bah, très électro, machin, mais qui... C'est les aventures, tu vois. Je peux me permettre un truc, Aurélien ? Je te coupe juste deux secondes, parce que je sens que s'il y a des, je sens qu'il y a des gens qui vont écouter cette émission, des audiophiles, mélomanes, et qui vont casser les couilles. pardon, je vous adore, les mélomanes, je vous adore. Nights Out, super album, je suis d'accord avec toi. Ce n'est pas, par contre, le premier album de Metronomy, c'est le deuxième. Ouais, mais l'autre, il y a 5 chansons dessus, ça compte pas. Le non, plan, non, non, Pip-Pain. Pip-Pain, c'est un album avec quasiment... c'est un album avec 12 morceaux dessus. Ah bon, Pip-Pain, bon, bah, ouais, c'est pour ça que je me permets de le dire. Après, c'est vrai que Pip-Pain est tellement différent de ce qu'après Metronomy va commencer à offrir avec Night Out. Tu connais bien, ouais. Ah bah ouais, moi Metronomy c'est un de mes groupes préférés. Ouais, Night Out, c'était incroyable. C'était une énorme classe. Donc ouais, Clac, vas-y, je te laisse continuer du coup sur Night Out, pardon. Non, bah du coup tu peux. Et quand j'ai écouté cet album, j'ai pété un câble et dont sur ce son. Qui a, je trouve, ce truc très... Lequel son, du coup, pardon, tu me disais The End of You Two, c'est ouais. La 2, un truc comme ça. Ouais, c'est ça, exactement. Et tu sais, on peut mesurer quand j'aime bien des trucs qui sont quand même très barrés, quoi. L'album n'a pas hyper bien vieilli, mais ça, moi, je suis fou, quoi. Ça me rend fou, quoi. Il est incroyable. Moi, je l'ai réécouté récemment. Il est pas mal, hein. Moi, du coup, j'ai envie de danser, quoi. Franchement, cet album est incroyable. Et vous allez voir, laisse le tout pétage, hein, parce que c'est ça qu'il faut que les gens entendent, quoi. Le démarrage, quoi. Là, moi je vois un gars qui marche, tu vois. Par l'aventure. Il est fou ce son. Il est incroyable ce son. Et les ruptures et tout après, elles sont folles. Moi j'adore cet album. En fait, il est fou ce disque. Moi je me souviens que la première fois que j'ai entendu cet album, j'ai découvert Metronomy par ce disque. Oh. Oh, j'adore. Je me souviens moi que j'ai un peu. Je me souviens que moi je me suis pris une grosse claque justement sur la toutes les textures sonores de ce disque où c'était des trucs que j'avais jamais entendu en fait avant. J'ai jamais entendu un son comme ça en fait, un truc qui sonne comme ça. Même il y a un son tu sais où t'as, je crois que c'est Heartbreaker, où t'as littéralement un bruit de porte qui grince. Moi c'est pas un rocking chair, moi dans ma tête c'est un rocking chair. Ah ouais, pour moi c'est peut-être, une porte. Peut-être dans le clip c'est un rocking chair, je sais plus. Parce que pour moi en fait, dans mon imaginaire, tu sais, ils avaient une porte qui grinçait dans le studio et ils l'ont utilisé, tu vois. Bon, pareil, tu vois, je me fais des images aussi par contre quand Ouais, mais toi tu t'imagines des trucs de studio quoi. Ouais, hein, moi j'adore la zik, quoi. Moi j'imagine des trucs de cinéma quoi. Ouais, voilà. Non, il est trop bien, hein. Incroyable ce disque. Est-ce que Aurélien était un Fluo Kids ? Est-ce que tu te souviens ce que c'était les Fluo Kids ou pas ?
C'est quoi, c'est la tectonique ? Non, les Fuyo Kids, c'était la mode des gens dans les années entre 2005 et 2010, à peu près, c'était très précis. C'était tous les jeunes qui sortaient au social club, écoutaient Métronomie, Justice et compagnie. C'était vraiment une période très précise de la musique. C'est vraiment la mode 2005-2009, ouais, c'est ça, exactement. Ouais. C'était j'écoutais beaucoup Justice, Métronomie, tout ça, quoi. Mais, ouais. je sortais pas. Ouais, tu sortais pas du tout. Ouais, j'étais pauvre. C'est quoi ton... j'étais pauvre. C'était quoi ton tout premier concert, d'ailleurs ? Il paraît que c'était Dorothée. Ah. Mais mon frère nous regarde parce que tout à l'heure il m'a dit t'as fait une choré à l'école primaire sur Happy Nation de Ace of Base. Je me rappelle, on était en ronde, on dansait sur Happy Nation et on était dans, d'une gravité extrême. Et du coup, mon frère pourra confirmer s'il est toujours en train de regarder, mais je crois que c'était Dorothée, mais tu sais en mode accompagnement, tu vois. Ouais. Vraiment en mode bon bah on l'amène, tu vois. Donc premier concert. Donc j'ai été vexé des concerts, du coup j'en ai jamais refait. non. Déconne pas. C'est ça mon premier concert et après mon premier concert choisi. Franchement, je sais pas quoi. Tu te souviens plus de ton premier concert ? Non, mais bon, écoute, pose les questions en avance la prochaine fois peut-être. J'ai envie de te clasher, je sais pas pourquoi. Mais il est horrible, hein. Non, vraiment, je m'en rappelle pas. Moi, je me dis, j'ai commencé à aller voir des concerts. Je l'accueille en ami, tu vois, je suis là, je suis bien, on est bien et tout, bah voilà. Ouais, mais je suis jaloux de ta lumière, t'es trop stylé, tu vois. Moi, j'ai un truc tout plat là. Mais ça, n'importe quoi. Cool. Ma lumière, je l'ai vraiment calée. En plus, parce que, bref, j'ai changé de place dans ma chambre. J'ai vraiment calé ma lumière quand je parlais de problèmes techniques 5 minutes avant de démarrer, donc vraiment. Attends, bah, faut que je me fasse des éclairages aussi, quoi. Éclairage concert, quoi. Ah, l'éclairage. Parce que moi, en plus, je pourrais presque streamer, regarde. Ah, mais oui, oh là là, ah oui, ah bah oui, en plus, t'as l'étagère derrière, les lumières connectées, ah bah oui, là, t'as le. Je peux tout faire péter, moi, mais bon, ça sert à rien vu que vu que je stream pas, mais. Faut que tu te lances. Tous ces changements, toutes ces variations quel de lumière. Budget, regardez. Voilà. Du coup, non, je me rappelle pas trop. Aujourd'hui, je kiffe aller en concert. J'ai vu Métronomie, je sais pas, 5-6 fois. J'ai vu. Mais là, tu spoil sur la suite. Hein. J'ai vu The Pirouette 5-6 fois. Tu connais The Pirouette ? Oui, bien sûr. Ouais, ouais. Séparé, malheureusement, mais c'est mon groupe préféré. J'ai dû voir Ratatat 5-6 fois. Oh, t'as vu Ratatat ? Oh là là, la chance. Ça va rendre la chance. J'ai j'avoue, je suis jaloux. Orelsan 5-6 fois. Voilà, là, t'as un aperçu de. Ah, donc quand t'aimes un groupe, tu vas le voir, genre, beaucoup de fois. C'est, ouais. C'est ton truc d'aller le voir. Ouais, j'ai jamais vu Daft Punk. J'ai vu une fois Justice. Deux fois Justice d'ailleurs. Jamais vu Daft Punk, jamais vu Radiohead. Voilà, là t'as un aperçu de mes groupes préférés. De tes groupes préférés. On peut arrêter l'émission. Il y a Melodo dans le chat qui dit on connaît The Pirouette grâce à Aurélien. Enfin, moi en tout cas, tu vois. Tu vois, The Pirouette. Tu vois, t'as donné envie à des gens, tu vois. Flonflon non plus a jamais vu Daft Punk. J'ai saoulé les gens avec, ouais. C'est dur. C'est dur ce que je suis j'ai en train de. Spammé les gens avec. C'est dur ce que je suis en train d'entendre. Voilà. Bah ouais, je sais, j'ai pas vu Daft Punk. Que voulez-vous ? J'aurais rêvé les voir. Bah oui, bah voilà, bah ça se fera pas, ça se fera pas. Que voulez-vous ? Que voulez-vous ? Par contre, quel est ton concert le plus mémorable, par contre ? Celui que tu vraiment. Si t'aurais envie de le revivre, tu vois, en mode. Oh, j'aimerais bien y retourner la même, tu vois. Je pense que c'est Métronomie. Ouais. Mais c'est pas très intéressant, c'est un peu précis. Mais c'est aussi parce qu'ils avaient fait un son du premier album dont tu parlais justement, qui est incroyable. Et qui sur scène était incroyable. Mm. Et je me rappelle que je m'étais vraiment dit « What the fuck ?» Et aussi un concert de The Pirouette où j'étais hyper ému, je sais pas pourquoi, ça m'a attrapé. Et j'étais dans une émotion folle tout le concert. Ah, c'est trop cool ça. Mais tu vas voir voilà. Beaucoup de concerts quand même du coup, parce que quand même quand tu parles de 6 fois non, et tout… Voir les mêmes groupes tout le temps, c'est tout. Non, mais parce que moi je me souviens, on va un peu avancer dans le temps, mais je me trompe pas, mais je crois que c'est cet été, tu as fait quelques stories où tu parlais d'un festival pas connu dans lequel tu as été… C'est Pete the Incroyable. Monkey, si je me souviens bien ouais, du nom ça. Du festival. Et je trouvais ça hyper cool que tu mettes en avant un festival pas connu, en fait. Enfin, c'est con, mais tu vois, moi, c'est un festival dont j'avais pas entendu parler. En plus, bon, de toute façon, on a parlé notamment sur cette chaîne comme quoi il y a eu beaucoup, beaucoup de festivals qui se sont créés cette année. Et juste, on a parlé du fait qu'il y avait beaucoup de festivals en France, et on s'en rendait pas compte. Mais j'ai trouvé ça hyper cool, et du coup, je me suis dit... c'est aussi pour ça encore plus que ça m'a vraiment encore plus donné envie de t'inviter, parce que je me suis dit, toi, il va voir, il a la curiosité d'aller dans des festivals pas connus, quoi. Et qu'est-ce qui t'a poussé à aller dans ce festival ? C'est un pote qui y va depuis 5 ans et qui me dit tous les ans « Viens, viens, viens !» Et là, j'ai dit « Allez, ok. » D'habitude, j'avais toujours une amoureuse qui était née à peu près dans cette période mi-juillet, donc je pouvais pas, j'avais pas envie de bloquer des dates. Et là,
la liberté de ne pas avoir d'amoureuse née à cette époque-là, qui fait que je lui ai dit, allez, que j'ai plus d'excuses, allons-y. Mais j'avais jamais fait des festivals comme ça, parce qu'en fait, c'est un festival, c'est en Normandie, et je sais qu'il y a beaucoup d'anglais, enfin, si j'ai bien compris, parce que lui, sa copine à mon pote, elle est anglaise, et du coup, il y a plein de potes à elle d'Angleterre qui viennent, et ils se retrouvent tous les étés là-bas à 15, tu vois, et ils campent et tout ça, machin. Et moi, j'avais déjà fait, en vrai, les festivals, à part, j'ai dû faire Solidays, Wheel of Green, tu vois, max. Et j'ai jamais campé, quoi. Et là, je suis parti avec ma petite tante. Enfin, c'est un délire. Hein. Et j'ai passé les 3 jours là-bas et tout. Et en fait, c'est ouf parce qu'il y a une super ambiance. Tout le monde est hyper cool, tu vois. Et tout le monde, tu vis avec les uns les autres, mais dans l'amour et le respect et tout ça. Et c'était vraiment fou, quoi. C'est la première fois que tu faisais c'est la première fois que tu faisais l'expérience camping d'un festoche, ouais. Du coup. Ouais. J'ai déjà campé, mais pas dans un festoche. Je connaissais les joies de cuir au réveil sous ta tente, mais pas dans un festoche, quoi. Allez. Et c'était trop cool. Après, j'hésitais aussi à en parler parce que l'avantage de ce festival, c'est qu'il n'est pas connu. Mais ça va, j'ai pas non plus des millions d'abonnés, donc c'est pas moi qui vais faire la renommée de ce festival. Mais j'espère que l'année prochaine, il y aura pas trop de monde à cause de moi. Tu vois. Oh là là. Je vais niquer le truc. Il crée une émeute. Découvrez son histoire. C'est toujours le truc absurde, c'est que les trucs un peu pas connus, du coup, qui sont cool parce qu'ils sont en petit, qui sont petits, bah tu veux pas non plus qu'ils grossissent trop. T'aurais, ouais, je comprends. Le côté un peu hipster, d'Aurélien qui ressort. Non, là, c'est pas sur un groupe, là, parce que sur un groupe, j'aime plus un groupe parce qu'il est connu. Je peux malheureusement être tributaire de ça, tu vois. Genre, tu sais que, genre, par exemple, l'album d'Angèle, je l'ai beaucoup écouté au début, avant même qu'elle sorte son album, tu sais, genre les premiers sons. Et aujourd'hui, parce qu'elle est devenue trop connue, tu vois. Et il y a un côté un peu, c'est la honte de dire que t'as kiffé l'album d'Angèle, tu vois. Donc, ouais, je suis un peu tributaire de ce truc-là. Mais là, sur un festival, c'est différent. C'est juste parce que ce qui est cool dans ce festival, c'est qu'il n'y a pas trop de monde. Donc là, c'est. Alors que quand tu écoutes un disque chez toi, que tu sois le seul à l'écouter ou qu'il y ait 1 milliard de gens qui le fassent en même temps, ça ne change rien hein, techniquement. C'est juste ton cerveau d'élitiste qui dit non, ça y est, c'est trop connu, c'est plus pour moi. Ouais, c'est trop bizarre ce truc du cerveau qui shift à un moment donné, de se dire c'est ridicule en plus, ça n'a aucun sens parce que justement, tu aimes un truc à fond, tu devrais être trop content que ce truc explose. Parce que justement. Ouais, puis tu veux le juste milieu parce que moi, par exemple, The Pirouette. J'aurais bien aimé que ça pète plus, tu vois, mais pas trop. Ça n'a aucun sens, tu vois. Oui, je vois bien. Alors que tu n'avais pas de part dans le groupe, tu n'étais pas leur manager. Pas du tout. Il y a Tara qui dit ça s'appelle le plaisir de l'entre-soi. Il y a peut-être de ça. Peut-être, je sais pas si c'est ça précisément, mais c'est intéressant en tout cas à analyser. Moi, je trouve ça en tout cas. Aurélien, on va quand même revenir dans plutôt les années collège. Le collège. Oh là, le collège. Bah, le collège. Pour moi, c'est toujours une période où tu commences à te construire un peu musicalement. Enfin, en tout cas, moi, ça a été le cas. C'est le cas quand je fais ces interviews-là. Je me suis toujours rendu compte que c'est des âges où tu commences à te construire un petit peu. Toi, ça a été le cas ou pas? Tu as eu l'impression un peu de commencer à former des goûts musicaux précis au collège? Au collège, non. Vraiment c'est pas. Vrai je te dis, pas c'était du tout. Vraiment, non, j'étais dans un... Je kiffais les animés, je kiffais ce qu'on faisait avec mon frère, mes potes et tout machin. Mais au niveau musique... Bah, ou alors il fallait qu'il y ait un délire autour du truc quoi. En gros pour moi le tube du collège il est amené par une petite histoire qui était mon frère qui va en Allemagne et son correspondant allemand là-bas lui fait découvrir une chanson qui était déjà un tube en Allemagne et du coup quand le correspondant ou peut-être c'est quand il est venu en France, voilà, le correspondant il est arrivé avec un tube qui n'était pas encore un tube en France et je sais qu'il y a une cassette caméscope qui existe de mon beau-père qui filme le correspondant de mon frère dans le salon avant qu'il parte le dernier jour et qu'il rentre en Allemagne, il le filme en train de danser la chorégraphie de la Macarena. Oh là 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 là. Qui était une exclue totale, tu vois. Et du coup, ce qui est marrant, c'est qu'après, on est devenu fan de la Macarena, mais tu sais, vraiment en mode fan de la Macarena. Et quand c'est devenu hyper connu, là, j'étais en mode puriste. Tu sais, j'étais puriste sur la Macarena, moi. En mode, non, 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 c'est moi, j'ai inventé avant la Macarena. Et le fait que tout le monde est fan, je me sentais dépossédé de ce truc. Quoi, tu vois. Ouais, comment vous connaissez ce son? C'est un son qu'on a ramené d'Allemagne, c'est impossible que vous soyez fan. Quoi. C'est impossible. Et c'est vrai que, et à l'époque, on était très. Tu sais, quand t'es jeune, il y a toujours un délire un peu la guerre, tu vois. Genre, il y avait la guerre Nintendo-Sega. Moi, j'étais Nintendo à fond. Enfin, fallait choisir un camp, quoi. T'avais la même chose avec les nuls et les inconnus. Moi, j'étais les nuls. Et ça, tu pouvais le pousser un peu loin. C'est-à-dire que nous, par exemple, on aimait beaucoup les animés, on aimait beaucoup les films du studio Ghibli, qui n'étaient pas encore du tout connus en France. Mais que nous, on revendiquait comme à la hauteur de Disney, tu vois. Sauf qu'à l'époque, il n'y avait que Disney, c'était terminé. Et comme en plus, Disney, ils avaient copié le Roi Léo pour faire le Roi Lion, on était en guerre contre Disney, tu vois. Et de la même manière, comme j'étais fan de la Macarena, moi, je suis fan de la Macarena officielle, tu vois. C'est-à-dire chantée par les deux vieux, Los del Rio. Ah, il y avait une version
avec un mec avec ta coupe là. C'est vrai, là. Comment il m'a. Mais Los Del Mar, c'est ça. Mais l'insulte. Los Del Mar. Mais l'insulte. Et Los Del Mar, il a popé comme ça. Et les gens, ils faisaient la choré de Los Del Mar. Et dis-toi que j'ai beau être fan de la Macarena, et c'est un running gag pour moi souvent et tout. J'adore citer les paroles que je connais par cœur depuis l'époque. J'ai fait allemand, autant te dire que les paroles, c'est Alato qui paleglia Macarena, quote quel pofara caleglia cosabrena. C'est ça les paroles pour moi de la Macarena. Voilà, je veux pas en entendre parler. Et il y a une choré qui va avec cette chanson. Mia Fry et tout, quoi, tu vois. Ouais, bien sûr. Et aujourd'hui encore, quand les gens. Là, j'étais dans un. À la machine du Moulin Rouge samedi soir, et il y avait plein de jeunes et tout, parce que quand j'y vais, je me sens un peu vieux, faut dire la vérité, qui dansaient la choré de la Macarena, parce qu'ils ont balancé la Macarena, et moi, j'étais pas content, encore aujourd'hui, 30 ans plus tard, parce qu'ils faisaient la choré de Los Del Mar. Pour moi, tout le monde fait la mauvaise choré, et je suis vénère, tu vois. Donc j'étais un vrai fan de la Macarena, la chorégraphie est beaucoup plus simple. Tu sais, les gens, ils sont là, ils font des trucs. Non, c'est ça, 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 ça. Tranquille, arrêtez là avec vos trucs dans tous les sens, là. Alors que je devrais kiffer, tu vois. On était fans et je devrais être content qu'aujourd'hui encore, même que, qu'il y ait des sons. C'est quoi? C'est Damso qui a fait un son sur la Macarena, c'est oui, ça? Oui, c'est ça. Ouais, c'est, ouais. C'est un vrai, toujours un vrai truc, tu vois. Et moi, je suis là en mode, non, c'est pas la vraie choré. Mais je suis un vrai fan, tu vois. Je suis un vrai fan. C'est ça. Aurélien, donc, n'oublie jamais. Il a d'ailleurs un podcast hein, qui tourne que autour de la Macarena. Il en parle une fois par semaine. Tout à fait. Il reçoit une personne pour parler de ça, justement. Il y a un sondage qui est lancé, là. C'est chaud. Il y en a qui vont dire vous êtes Los Del Rio. Ah, Los niveau Del Mar, Macarena, vous êtes Los Del Mar ou Los Del Rio? Tiens, si vous connaissez la différence, n'hésitez pas à voter dans le chat. Il y a un sondage qui a soyez été honnête. Lancé par les modos. Ouais, soyez... faut connaître la différence. Hein, Aurélien Rancunier. Déjà, connaître la Macarena, c'est déjà pas mal. Mais alors, plus si. Donc voilà, il y avait deux vieux sur fond blanc avec Mia Fry et plein de danseuses qui faisaient une chorégraphie bien plus épurée où il y avait un con avec une coupe de merde, pardon, qui faisait une choré... c'est même pas lui qui dansait en plus. Quelle violence! Mais quelle violence! Non mais je rigole. Je suis jaloux. Ouais, bah oui. Il y a Twitchers qui dit dans le chat, ça me rappelle un autre phénomène, quand tu connais pas un truc et tout le monde s'enjaille tellement dessus que t'as pas envie de le connaître. Par exemple, totalement subjectif, la danse du Madison. J'ai jamais pigé ouais. Et ça me saoule, j'ai pas envie. Mais à chaque fois, c'est tout le camping qui se lève pour la faire. Moi, je boude pendant ce temps. J'avoue que j'ai un peu ce truc-là sur des trucs précis. J'avoue que la danse du Madison, c'est un exemple qui me touche. On va pas se mentir. J'ai jamais compris ce truc de « je suis content de connaître le Madison », tu vois. Moi, j'ai un jeu maintenant en soirée, c'est dès que le Madison commence, je fais n'importe quoi. Tu sais, je fais semblant de savoir danser. Parce que ça m'énerve de... Tout le monde est en plus en mode, on est trop stylé à savoir les paroles. C'est pas si compliqué en plus le Madison, mais j'avoue, je crois que j'y suis jamais allé. Mais Los Del Rio, on va dire Macarena, la Macarena en soi, on va pas forcément dire qui est le vrai. Quand ça danse, moi je ne danse jamais. Parce que je refuse de danser l'autre choré, tu vois. C'est drôle. Et mon frère a raté ma question sur est-ce que mon premier concert c'était bien Dorothée en tout bébé, j'accompagnais ma mère qui l'amenait lui. Yes. Par contre, il confirme Los Del Mar éclaté au sol. On est d'accord. Parce que c'est un délire que t'es avec ton frère en plus, c'est ça? Oui, bah comme beaucoup de choses dans la vie. Beaucoup ouais. De choses. La reproduction, tout ça, c'est des délires avec ah oui, vous avez partagé. Donc, quand même, vous avez quand même partagé beaucoup de choses du coup. Tout à fait. Ouais. Et du coup, parce que tu me disais tout à l'heure, avec ton frère, t'as commencé à te filer de la musique rock au collège ou c'était au lycée? Voilà, c'est ça. Et en fait, ouais. Moi, j'ai commencé à écouter vraiment de la musique et pas juste un tube que tu chopes au Hit Machine ou je sais pas quoi. C'était plus lycée et ça a commencé avec Placebo, le groupe Placebo. Ah yes. Qui sortait à l'époque son deuxième album. Alors encore une fois, tu vas me dire c'est toujours lié à de l'image et tout ça, mais ce qui m'avait vraiment fait kiffer Placebo, c'était aussi qu'ils ont un son de leur premier album qui s'appelle Bruce Springsteen, mais pas écrit comme Bruce Springsteen, mais écrit un peu en phonétique. Et mon ref l'avait mis dans la bande-annonce d'une vidéo qu'on avait faite. Et c'était la musique de la bande-annonce, et je trouvais ça fou, quoi, tu vois. Donc l'accroche, elle était toujours effectivement un peu cinématographique, enfin cinématographique avec un caméscope en 1996, hein, mais... Et ensuite, ils étaient venus à nulle part ailleurs. Donc encore une fois, effectivement, tu as raison. C'est toujours lié au monde de la télé et tout. C'est incroyable. Enfin, de cinéma, série, télé. Et ils étaient venus à nulle part ailleurs. Et ils avaient chanté You Don't Care About Us sur leur album qui est sorti en 98, leur deuxième album, qui s'appelle comme ça, je crois, d'ailleurs. Mm. Et c'est vraiment en seconde, j'écoutais à la mort l'album de Placebo. Et du coup, c'est vraiment le premier truc que je me suis approprié. Mais il n'y avait pas encore de phénomène de groupe parce que mes potes, ils n'écoutaient pas ça encore tout à fait, ouais. Mais en tout cas, moi, je l'écoutais à fond. Ah si, il y avait Camille Tondeau qui écoutait. Et j'étais à fond sur cet album. Si tu veux mettre You Don't Care About Us, tu peux. Ouais. Parce qu'après, les gens, c'est devenu très connu, Placebo, leur quatrième album, je crois. Spécial K, un truc comme ça.
Et ça, moi, en vrai, j'écoutais déjà plus. Ouais, sinon, c'était, ça y est, c'était trop connu pour moi. Ça y est. C'était l'album, ouais, c'était le troisième album Black Market Music qui est devenu avec Special K dessus, qui est devenu un gros. Okay. Et c'est devenu un gros groupe à ce moment-là, ouais, tout à fait, ouais. Ouais. Mais c'est déjà, devenu... c'était déjà un groupe fat et sur leur album, leur deuxième album, quand je le réécoute, je suis en folie, quoi. Même la chanson cachée, c'est, vous rappelez, tu te rappelles de ce concept? Ah, bien sûr, incroyable. Les gens ne sont pas forcément familiers de ce truc-là, mais tu avais la dernière chanson, elle se terminait, et ensuite, il y avait 10 minutes de blanc, et bam, il y avait une chanson qui arrivait, quoi. Ça, c'était incroyable. Trop bien. Elle était toujours un peu expérimentale et tout, quoi. Ouais, ça, c'est un truc, c'est vrai que c'est quelque chose dont on n'a pas parlé, le titre caché, soit t'avais un son, ouais. Tu sais pas pourquoi. En plus, des fois, sur ton lecteur CD, t'avais le temps à l'envers, et du coup, tu voyais que ça faisait moins 15 minutes, tu dis, putain, j'ai un son de 15 minutes pour terminer l'album. Au bout de 3 minutes 30, le son se terminait, il y avait du blanc, tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? En fait, quand tu laissais le blanc, t'avais un morceau qui démarrait. Et même à la fois, et même des fois, moi j'avais un CD, je me souviens plus duquel, mais je crois que c'est un album de Keen, où carrément il y avait, je sais toujours pas comment ça fonctionne techniquement, mais il y avait une technologie qui faisait que le truc repartait à l'envers. Et du coup, en fait, pour vraiment pas griller la piste cachée, fallait vraiment écouter l'album jusqu'au bout. Et en fait, l'album revenait en arrière et chopait en fait un truc gravé qu'on voyait pas en fait. C'était assez fou et ça c'était incroyable. Je pense que tu inventes, mais c'est incroyable. Ah non, c'est un vrai truc et c'est excitant. Non, c'était trop. Moi, justement, c'était vrai souvenir d'écoute de musique pour moi. Tu sais, des trucs un peu excitants où tu sens que les gens ont réfléchi l'album, tu sais, l'objet. Ouais. Et je trouve ça trop. Et puis, bien. Tu peux proposer quelque chose de différent aussi, parce que peut-être que si leur son caché à Placebo, il était en la numéro 7, je me serais peut-être trouvé ça bizarre. Mais là, il avait un statut vraiment particulier. Et je sais que le son, il n'y avait pas de paroles ou en fait, c'était juste des voix enregistrées. Il y avait une construction un peu particulière, un peu Pink Floydienne, tu vois, dans l'idée. Et je sais que je kiffais trop, quoi. Yes, maintenant, il est même... Je suis arrivé dans le rock. Donc là, c'est même au début lycée. C'était ça, le son caché. Ouais, c'est ça. Parce que maintenant, sur les plateformes de streaming, ils le mettent. Ils mettent HK Farewell-Hidden Track, qui a pas de nom, du coup, tu vois. Ah. Bah, si y a écrit, c'est Hidden. C'est ce que j'allais dire, je suis pas sûr, mais s'il y a écrit Hidden Track... Ah, si, c'est ça. C'est ça, du coup, ouais. Là, pour le coup, je te crois. Donc, Placebo, ouais. Ouais, Placebo pour commencer, ouais. C'est l'impulsion de mon grand frère, ouais. Yes, avec ce Hidden Track, notamment. Donc, du coup, là, ouais. C'est ton grand frère qui te fait écouter ça. Ouais, bah, il me faisait pas écouter non plus, mais parce qu'on n'était pas musique en mode ah la musique machin, on était plus en mode les films, les séries, les mangas, les trucs, les bidules. Mais en tout cas, c'était là et ouais, c'est via mon ref, je crois que lui il se mettait à écouter des trucs genre garbage, tu vois. Mais il y avait pas potasser mon sujet, mais il y avait un truc de c'est toi qui y allais ou alors tu commençais à t'intéresser. Il a toujours écouté et là, tu sais pas pourquoi, au collège, t'as commencé à faire en sorte... Bah, j'avais bien envie quand même d'avoir à un moment donné des trucs un peu à toi, tu vois, de kiffer quoi. Parce que c'est vrai que le côté être paumé au collège sur ce que j'avais envie d'écouter, des fois ça manquait un peu parce que c'est cool d'écouter des trucs quoi, tu vois. Donc là, quand soudainement tu te mets à vraiment kiffer du son, vraiment kiffer un album, vraiment kiffer des artistes, un groupe et tout, c'est cool quoi. J'ai évidemment acheté le single de Los Del Rio au collège. Hein. Il y a un truc qui revient sur la carrière. J'ai évidemment pas acheté le single de Los Del Mar, mais par contre, j'ai acheté la parodie de Los Del Rio de la Macarena par le Festival Robles qui s'appelait Macaravane. Ça faisait dans Macaravane. Et c'était un truc raciste, horrible et tout. Je l'ai réentendu. Alors, j'allais le mettre. J'allais le mettre, mais est-ce une bonne idée du coup? Non, peut-être pas. Bah, c'est pas très frais, ouais. Ouais, on va peut-être éviter. Le Festival Robles, c'était une émission de radio et tout ça à l'époque. Et ils faisaient souvent des parodies de tubes connus à l'époque. Et en gros, la DA consistait. Enfin, l'idée, c'était toujours de mettre des trucs de bouffe à la place des paroles. Voilà, c'était le niveau 1 de la vanne, tu sais. Ouais, et, ouais. Et du racisme. Oui. Que ce soit percutant, quoi. Du coup, il y avait une chorégraphie pour cette version de Mans Garbus. Mais c'est pour te montrer à quel point j'étais paumé musicalement. C'est-à-dire que les singles que j'achetais, c'était la Macarena et la parodie de la Macarena. Oui. Mais pas la copie, mais... pas le faux. Oui, non, mais j'aime bien ce côté très précis du chieur. Ce que tu es en train de dire, c'est que si c'était Los Del Mar en premier, c'est Los Del Rio que tu n'aurais pas aimé, du coup, quelque part. Ça, c'est pas possible. Ce, que ce monde, ce multiverse n'existe pas. C'est donc pas ça qu'on appelle le multiverse. ce n'est pas ça du tout. Et après Placebo, qu'est-ce que tu découvres du coup un petit peu par ton frère ou après, tout seul d'ailleurs peut-être là, j'ai été chercher l'énergie la plus pure et aussi le côté musique de bande. Parce que moi, mes potes à l'époque, mes potes proches,
à ce moment donné-là, et j'ai mis du temps à les rejoindre. Ils écoutaient mes meilleurs amis depuis la sixième, tu vois. Ils avaient un groupe de rock, et eux, ils écoutaient les Pink Floyd, justement. Ils étaient très les Pink Floyd, ils étaient très Led Zeppelin, tout ça. Et en fait, moi, je ne comprenais pas trop le délire, quoi. Les Pink Floyd, je n'arrivais pas à capter de mélodie, à capter de trucs, tu vois. Donc, pour moi, c'était juste flottant, et je n'arrivais pas à rentrer là-dedans. Et en plus, comme eux, ils avaient leur groupe de musique, et que genre, ils ont commencé à fumer des joints sans moi, tu vois. Donc, j'étais un peu vexé, et pour moi, c'était un peu genre, faites vos trucs bizarres entre vous, niquez-vous, quoi. Et je suis toujours resté pote avec eux, mais notre bande s'est agrandie et j'ai rencontré d'autres gens à ce moment donné-là, dont des filles, parce que c'est ça aussi qui crée des groupes, hein, en gros, ça s'est un peu créé autour de voilà, de dynamique de filles, parce qu'avant, j'avais pas de copines vraiment beaucoup filles. C'est bon, j'ai dit assez le mot, assez de. Le mot fille, c'est bon. On y est, ouais. et ce courant musical, c'est tout simplement le punk rock. Ah. Et en fait, je suis tombé là-dedans, quoi, et soudainement, dans la bande. Comme par hasard, comme moi, il y a plein de gars qui sont devenus fans de punk rock. Non, ils l'étaient déjà un peu avant, je pense. Eux, c'est plus juste ça qui me... En fait, moi, c'est ça, c'est que j'avais toujours des problèmes de légitimité, tu vois. C'est-à-dire, par exemple, au collège, tu peux pas arriver du jour au lendemain et t'habiller différemment. C'est pas possible, tu vois. Tu peux pas changer de look. Tu peux pas... C'est compliqué, tu vois. À moins d'être le gars populaire. De quoi ? À moins d'être le populaire du lycée, tu vois, ou la populaire, tu vois. Ouais, voilà, mais bon, moi, c'était... Bah, même moi, tu sais, avoir les cheveux un peu longs et tout, enfin... Moi, je me faisais pas emmerder, mais je faisais en sorte d'être neutre, carré, truc, de pas me faire remarquer, quoi, tu vois. Et musicalement, je sais que j'avais vraiment envie d'aller vers le punk rock, mais j'avais peur qu'on me considère que je faisais ça pour le phénomène de groupe, pour les filles, et puis même, tu sais, j'avais envie de mettre des chaussures de skate, des pantalons de skate, de me faire des pics, alors que je ne faisais pas de skate, tu vois. Donc, tout ce truc-là était un peu technique et j'avais l'impression que je n'avais pas vraiment la légitimité, quoi. Donc, j'y suis allé doucement, mais je me suis mis à écouter du punk rock. Parce qu'en plus, eux, ils écoutaient du punk rock californien. Ce n'était pas les Sex Pistols et tout. Mmh. Enfin, ce n'est pas du punk rock, c'est du punk, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça, c'est du punk pur, ouais. Et eux, ils étaient très, tu sais, NoFX, Mad Caddies, No Use For A Name, tout ça. Et moi, je kiffais. Et moi, en fait, ma chance que j'ai eue, c'est qu'il y a un nouveau groupe qui est arrivé, qui était un peu trop commercial pour être vraiment stylé. Mais du coup, j'ai pu me le choper à moi. Et c'était Blink 182. Ah là 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 là. Et je me rappelle même que j'avais vraiment peur de ne pas être légitime et qu'on me dise, mais frère, t'as pas le droit de te mettre à aimer du punk rock, c'est ridicule, tu vois. Que j'avais utilisé le fait que j'avais vu American Pie au cinéma. Ah ouais, c'est précieux. Et que dans American Pie, il y avait Blink 182. Et du coup, j'avais dit, ah, c'est comme ça que, tu vois, j'ai découvert, tu vois. Genre, tu vois, c'est pas pour copier, quoi. C'est quel son de Blink 182? C'est Mutt, je crois, dans American Pie, mais je suis pas sûr. Je sais pas. Je sais que les sons cultes de l'époque, c'est What's My Age Again. Oui, bon, ouais, c'était Mutt, mais t'as peut-être un son préféré de Blink que toi, tu veux mettre, peut-être, d'ailleurs. Non, il y en a plein, là, c'est compliqué. Parce que là, je me mettais vraiment à écouter les albums et tout, et là, je sais que j'avais été choper leur album d'avant, qui était introuvable, mais que Sabrina Bilpinte m'avait copié sur une cassette audio. Si précis. Incroyable, l'album d'avant avec une vache là sur le ranch, je sais Dude pas. Ranch, quoi, Dude Ranch, ouais, ouais, Dude Ranch, ouais. Incroyable. Ouais, il est trop bien. Et du coup, là, c'est là que je me suis mis vraiment à avoir. À pas écouter juste une chanson par-ci ou un groupe par-là, quoi. C'était le punk rock au sens large. Mm. Et à vraiment. Lac Wagon aussi, putain, je kiffe beaucoup Lac Wagon. Ça te parle, c'est un peu t'es pas du tout, Lac Wagon. Bah, c'est les groupes, c'est. Disent Lac Wagon, NoFX, No Use For A Name, Les and Jack. Et c'était cool parce qu'il y avait une dynamique, ça me donnait vraiment, parce que j'étais pas malheureux dans la vie, mais t'es quand même au lycée, t'as besoin d'avoir un peu d'énergie, tout ça, j'avais pas de chance avec les filles et tout. Donc tu trouves dans le punk rock un truc, une énergie et tout qui était cool. Et en plus, c'était une énergie de groupe. Donc en soirée, on mettait les chansons, on faisait des pogos, tu vois, machin. Enfin, en soirée, dans des salons, hein, j'habitais en province, en banlieue pavillonnaire, c'est oui. Pas, j'allais. Mais des fois, une fois ou deux, on était monté sur Paris pour aller voir des concerts et tout, c'était fou, quoi. Tu vois. C'est trop cool. Ah oui, parce qu'en plus, oui, t'avais la proximité parisienne, ça c'est chouette. J'étais dans le 77, ouais, donc j'avais un train. Ça va, avoir l'occasion d'aller à Paris, parce qu'en plus, c'est le genre de groupe qui passait qu'à Paris, du coup, évidemment. Ouais. Donc avoir l'occasion de pouvoir bouger pour aller voir ces concerts, c'est une chance de fou, quoi. Tu vois, moi j'avais pas. Mais là, il y a Blink derrière, c'est ça? Non, là j'ai mis Lac Wagon, là, du coup, ouais. J'avais mis Blink juste avant. Les gens entendent un peu, dans les commentaires vous entendez un peu, parce que moi j'avoue, j'entends. Quand tu mets au niveau 1, j'entends rien du tout, quoi. Ah là, c'est assez fort, je pense, pour les gens, ouais. Ok, très bien. T'inquiète. Je te laisse, c'est ton émission. T'inquiète. On entend tout, ouais, ils entendent tout normalement. Toi, t'entends un petit peu. C'est juste que le retour pour toi sera toujours un peu plus faible. Là-dessus, je peux pas mieux faire. Ça va partir. Oh. Ah non, ça part pas, c'est tout pisse.
Bah, j'ai d'ailleurs fait une vidéo sur ma chaîne, au tout début de ma chaîne, où je retourne voir un concert de Lagwagon qui sont revenus sur Paris faire spécifiquement cet album que t'as mis là. Ah ouais. Incroyable. Let's talk about feelings. Voilà, tu retournes voir un groupe, bon bah si tu l'as pas écouté depuis 20 ans et t'as pas écouté les six derniers albums, c'est relou, tu vois. Et là ils sont revenus faire cet album là de l'époque, et j'y suis retourné avec un pote de l'époque, et c'était fou. Ouais, c'était t'as fou. Kiffé. Ah ouais, bah ouais, c'est tu peux être dans le même concert. Ouais, mais tu sais, tu peux être déçu par la prestation. T'es là, justement, l'aspect nostalgie qui te biaise un peu ton expérience. Dans ma vidéo, je passe pas un bon moment. Parce que, en fait, je dis que je veux repécho mon ex de l'époque. Et pour lui prouver que je suis pareil, je me refais des pics. Alors que je suis dégarni. Et je retourne au concert. Et en fait, je galère. Y'a rien qui va. Dans la gueule, je perds mes lunettes, je vomis et je rentre chez moi comme une merde, quoi. Mais je rentre chez moi et je me rends compte qu'en fait, j'ai une meuf. Donc c'est pas grave. Ça finit tout bien mes vidéos en général. Et sauf qu'en vrai, je me suis pas fait attaquer et on a fait les fous avec mon pote, c'est trop cool. J'ai slamé, mon gars. T'as slamé. Ouais. T'avais quel âge à ce moment-là? Quand j'ai refait ça? Ouais. À 4 ans, en tout cas, ça, 3 c'est ans. À 4 ans. Ah oui, donc t'as vraiment. 35 ans, quoi. Ah, oui, parce que moi, j'ai slamé, mais genre. Moi, pour moi, c'était une période très courte de 18 à 20 ans, tu vois. J'avais pas slamé depuis 18, 20 ans. Ouais, c'est ça, je peux pas slamer. Moi, pour moi, c'est no-go aujourd'hui, tu vois. Je suis trop vieux pour ça, tu vois. Le mal de dos, tout ça. J'ai jamais aimé Ditara, c'est incroyable. C'était hier, pourquoi? C'est ça. Donc, du coup, grosse période punk rock, incroyable. Ça, c'est ouais. Trop bien. Ça, c'est fou. Mais tu étais. Parce qu'il y a une question aussi que j'aime bien poser. Tu étais fan? D'un groupe en particulier, tu as été fan, enfin, vraiment. Blink 182, ouais. Ouais, c'était. J'avais le pull, j'avais leur album live que j'écoutais en boucle pendant mes révisions du bac, non-stop, pendant 15 jours. Ouais, c'était. Ouais, on peut dire que j'étais fan. Ouais, c'était vraiment The Group, quoi. C'est vraiment le truc que tu. Ouais, puis je vois bien quand les trucs que je réécoute aujourd'hui, tu vois les trucs où ça te fait. C'est fou, quoi. Et je réécoute les premiers albums de Blink, quoi. Je suis en folie, quoi. Ouais, ils sont. Et étonnamment, j'avais aussi, dans ma bande, il y avait aussi un petit groupe dans le groupe. Qui était fan genre de Limp Bizkit, Korn, tout ça et tout. Et l'album de Limp Bizkit de 99, je crois, que j'ai réécouté via Woodstock 99, là, il y avait un live sur YouTube où ils jouent presque que cet album. Et en fait, je le connais par cœur, quoi. Et ça m'a fait trop kiffer, quoi. C'est trop bien de replonger dedans, je trouve, dans ces albums-là. Ouais. C'est Significant Other, là, qui. Ouais, celui où il y a un rappeur dessiné avec une casquette, je crois, sur le truc, non? Exactement, tout à fait, ouais. Qui est un album de fou. Donc ça, ouais. Et du coup, ouais, c'est marrant, j'ai eu mon bail Limp Bizkit, quoi. Oh, donc c'est ouais, punk rock, Limp Bizkit, metal, c'est ça qu'on dit? Oui, à peu près, ouais. Il y a un côté rap metal dans Limp Bizkit, moi, que j'aimais bien, c'est un des groupes que j'ai beaucoup écouté. Moins d'encore, mais c'est vrai qu'en fait, du coup, il y avait aussi une branche un peu plus... j'aime pas le mot hard, mais on va l'utiliser comme ça. Donc t'aimais quand même les trucs... Où t'avais quand même les guitares qui saturaient à fond avec Korn et tout, t'aimais bien, ouais. Quoi, t'aimais bien. Bah, mais il y avait un fan de rap dans la bande, donc il mettait du Dr. Dre, il mettait Eminem. À Eminem, on s'ambiançait beaucoup sur Eminem aussi, enfin sur Slim Shady, quoi, ce petit but conique là. Il y a des pogos, c'était pas mal aussi. Ouais, bah oui, parce que c'était une grosse période. Là, on est au début des années 2000, c'est ça pour toi à peu près là. Ouais, 2000 tout pile. On est en 2000 tout pile, ouais, c'est ça, ouais, c'était énorme. Tu pouvais pas passer à côté de Eminem, tu pouvais pas passer à côté de Snoop Dogg, de Dr. Dre, c'était impossible. Alors, je veux dire, toi qui te laisses porter par la radio, tu te laissais toujours porter par la radio un peu à ce moment-là? Ou alors t'as arrêté parce que justement t'as commencé à découvrir des trucs de ton côté, tu te dis... Non, j'ai jamais vraiment écouté la radio, la musique, moi j'écoutais les radios, la libre antenne dans les années 90 sur rock, tu vois, un peu, mais c'est tout quoi, j'ai jamais écouté la radio pour la musique en vrai. Okay. J'écoutais Eric et Ramzy sur Fun Radio en 98 et je crois que depuis j'ai arrêté la radio. Plutôt... Ah oui, t'en réécoutes pas aujourd'hui, même aujourd'hui, t'en réécoutes pas du tout? Non. Ouais, je comprends. Voilà. Ouais, je comprends. Il y a des gens dans le chat Twitchers demandent The Offspring. En groupe. Non, trop commercial. J'adore ce que tu dis ça, mais il y a. Ouais, non, j'allais dire, il y a quand même Blink dans l'affaire, mais Blink reste quand même moins commercial. Blink, ça passait pas sur M6, ouais, c'est ce que j'allais dire. Ça reste quand même moins commercial que The Offspring, quand même. Je suis d'accord. Rage Against the Machine. Tiens. Non. Après moi j'ai tout Nirvana, parce que ouais je disais mes potes ils écoutaient Pink Floyd pendant que moi j'écoutais Placebo ou du punk rock, mais ils écoutaient Nirvana à mort au collège. Ah bah oui. Pas du tout quoi. Ouais non, c'est clair. Pas du tout quoi. Ah ouais peut-être pas. Et pareil j'avais l'impression que si je me mettais à écouter Nirvana c'était genre j'allais je copiais, tu vois, j'avais pas l'impression que c'était mon truc quoi. Ouais je vois bien. Ah c'est marrant d'avoir envie d'avoir j'écoutais, un truc du coup, qui. J'écoutais les Spice Girls en scred quoi. T'écoutais Spice Girls quand même. À la place. T'écoutais Spice Girls.
Ouais, je dois avouer. J'ai gagné l'autre jour un blind test sur une chanson des Spice Girls, mais c'était vraiment une face B de leur album. Oui. Et je me suis dit, putain, mais en fait, je connais vraiment les Spice Girls, tu vois. J'avais une demi-sœur qui écoutait beaucoup les Spice Girls, c'est mon excuse. Non, mais t'as le droit d'aimer les Spice Girls, y a pas de problème, tu sais. Et puis elles étaient jolies, quoi. Non, voilà. J'allais dire, on peut rappeler qu'on cancelle Aurel du collège. Ah oui, c'est terminé. Oui, c'est bon, c'est terminé. Bien sûr, on l'a on déjà peut dit. Dire qu'elles étaient jolies, ça va encore. Oui, ça va. Aurélien, voilà dans le Aurélien. Pourquoi Aurélien. Oui. Aurélien, je vois les toujours Momo Motus. Hein, ouais. Ah non, il y a 36 ans, Sarah. Aussi, oui, bien sûr, les modos. Les L5 qui sont les Spice Girls féminines. Merci de se foutre de ma gueule, évidemment. Merci beaucoup. C'est très gentil. C'est adorable. Oui, parce que j'ai dit une bêtise un jour en live. Regardez Popstar aussi sur cette chaîne. Et la première saison avec les L5. Et j'ai dit, je voulais dire les L5, c'était l'idée de faire les Spice Girls à la française. Sauf que j'ai dit les Spice Girls au féminin. Voilà, je sais pas pourquoi j'ai dit, cette bêtise. Pas mal. Donc, le punk rock au collège. Ouais. Et quand tu passes au lycée. Tu gardes ce truc de punk rock ou pas du tout ? Non, le punk rock au lycée, là on est lycée. Là. Ah ouais, on est au lycée, d'accord. Là on est première terminale. Ah ouais, première terminale à fond. Ok. Et à partir du moment où je pécho, j'arrête. J'ai plus besoin quoi. Ah ouais, c'était vraiment, il y avait un but précis dans l'écoute non, de musique. C'est un tout, mais oui. Ça faisait partie du package quoi. Ah ouais, c'est un truc de fou. Ah ouais, pour toi, tu Bah, elle était skateuse. Enfin, elle s'habillait comme une skateuse, mais elle ne skatait pas comme tout le monde à l'époque. Enfin, moi, non, personne ne faisait du skate dans ma ville. Hein. Dans mon village, enfin, dans ma petite ville. Donc, c'était juste l'état d'esprit, les fringues et la musique, quoi, tu vois. Quel escroc, dit Mimolette fraîche dans le cringe, dit ouais. Momotus. Bah, ça s'appelle l'honnêteté, quoi. Non, mais il est honnête. Qui n'a pas fait des choses stupides ou par intérêt, après, que ce ouais, soit amoureux ou pas En vrai, même moi, je me suis mis, quand j'étais jeune, mais je me souviens faussement m'intéresser à un truc. Puis finalement, je commence à y voir un petit intérêt parce qu'au début, la raison était quand tu le racontes aujourd'hui, cringe. Tu galères avec les filles et tout, c'est relou. C'est ouais. Un peu ton problème numéro 1. Ouais, que ce soit pour m'intéresser à des trucs. Genre, bon, allez, je vais m'intéresser à ça pour séduire quelqu'un ou même faire ce truc-là parce que je vais me retrouver dans une classe avec des potes ou voilà. Peu importe. C'est évidemment... en fait. Évidemment, un truc que je fais plus aujourd'hui. Oui, voilà. Mais après, l'envie de plaire, tout ça, ouais, machin, bien sûr, ou s'intéresser à quelque chose qui t'aimes bien quelqu'un qui s'intéresse à quelque chose, par extension, tu vas t'intéresser. Après, tu vas pas faire style, tu vas pas fouiller sur les réseaux pour voir les goûts des gens et puis après arriver habillé exactement. Oui, voilà. Évidemment, je fais pas ça. Ça, c'est cringe. Ça serait hyper cringe. quel violence, mon Dieu, qui dit bah désolé si vous avez pas de personnalité. Mais comment tu. Ça, c'est une de mes motos, mais. Ce petit air supérieur qu'elle a ce soir, qu'elle a jamais d'ailleurs. Elle prend trop la confiance. Ça, mais qui est sympa avec toi? Parce que moi, je suis pas sympa avec toi. Ah ouais, mais personne. Dans le chat. C'est... Ah non, mais vraiment, bah, ce soir, c'est la soirée. J'ai l'impression, c'est vraiment. Il y a une plante derrière toi. Non, elle a l'air sympa avec toi. Elle est fausse. Donc oui, je pense qu'elle a. Bah oui. Merci. Merci. Bah voilà. Tout est dit. J'ai envie de te dire. Oh, elle est fausse avec toi, qu'est-ce que tu veux bah que voilà, je te dis qu'elle t'aime, mais elle est fausse avec toi. C'est parfait. Désolé, putain, je mets les pieds dans le plat quoi. Bah, même mon chat n'est pas sympa avec moi, même Mimolette n'est pas sympa avec moi. Bah oui, voilà. Je suis sûr que si. Bah non, voilà. Donc voilà, et en fait après, ouais, c'est surtout moi je suis parti à la fac, donc ouais. Après je me suis un peu libéré de. En fait, je suis parti à la fac avec mon meilleur pote qui lui était fan de Pink Floyd depuis toujours, enfin depuis longtemps. Et du coup, on s'est mis à fumer des joints, à écouter des Pink Floyd. J'ai arrêté de me faire des pics, je me suis laissé pousser les cheveux, j'ai arrêté de mettre mes lentilles, je me suis mis des lunettes parce que ça y est, ça devenait. Parce qu'au collège, les lunettes, c'était pas le meilleur bail pour pécho, tu vois, donc j'étais passé aux lentilles. Mais là, une fois arrivé à la fac, c'était la mode des lunettes rectangulaires, tu sais, noires avec des grosses montures rectangulaires. Là. Oh la vache, oui, je vois ouais, bien. J'avais ouais. Ça, les cheveux longs, un duffel coat et. Je fumais des joints et j'écoutais les Pink Floyd, quoi. Oh là là. Et quel morceau t'as un morceau de « Toujours à Tom Atmoser » ou quand tu découvres les Pink Floyd, ça a été vraiment cette claque-là? Ou alors, avant, t'es passé par d'autres sons que tu kiffais Je suis passé par d'autres sons, mais on est vite arrivé à celui-là et c'est devenu notre hymne. L'album en tout, parce que la première chanson, c'est qui fait 25 minutes. Ouais. En plus, elle était magique parce que nous, on prenait le train pour aller à Paris. Il mettait 25 minutes. Du coup, c'était tout pile le temps d'écouter la une de l'album Atom Atmoser, donc c'était pour nous, il était fait pour la fac. Qui explose en plus, ouais. Incroyable. Quel son de fond. Ah oui, c'est vrai que Mélodie, il faut dire manger un sandwich, hein, c'est la règle maintenant sur internet. Ah oui, merde, pardon. Non, mais et merde, faut dire quoi Non, mais t'inquiète.
Il y a quelques mots interdits dont on n'a dit aucun. Ça va, c'est bon. Voilà. Oui, c'est vrai que t'aurais pu me refaire un petit point avant. C'est vrai que j'ai pas fait ce point. Regarde, sur Discord, je t'envoie les mots à pas dire. Non, c'est horrible. C'est vraiment, je vais vraiment les noter un par un. C'est vraiment la liste horrible à faire. Donc ouais, après Pink Floyd à fond, quoi. Pink Floyd, un peu de jazz. Ah ouais. Vraiment dans un délire. Pourquoi? Délire élitiste. Mon pote, ou il aime bien le jazz. Parce... On écoute ouais. Un peu de jazz. Bah, y a un côté un peu, pour moi dans le jazz, il y a un côté un peu Pink Floyd, quoi. Mais un peu plus babbly boop, évidemment. Mais il y a un côté un peu. Okay. Y a un côté un peu. Bah, c'est musical, ça amène, ça s'amuse, c'est de la complicité avec l'auditeur, tout ça, quoi. J'aime bien. Ok. Mais j'en écoute plus, hein. Mais... Ah ouais, non, c'est juste une période, ce que j'allais dire, justement. Est-ce que t'as gardé ça? Est-ce que t'as été voir des concerts, genre d'aller voir des groupes de jazz en concert? Parce que c'est non, vraiment mais super. J'ai regardé Trimé, la série qui se passe à la Nouvelle-Orléans, là. Ouais. Sur le jazz et enfin sur tout un tas de trucs et tout, et c'était mortel. J'ai pas vu, cher ami. J'ai pas encore vu. Je sais que tu recommandes et pas le mal gars de qui a fait The Wire qui a fait ça. C'est trop bien. Ouais, c'est trop cool. C'est vraiment trop chouette. Et moi, il y a une question que je t'ai pas posée parce que je t'ai pas vu en parler quelque part. Mais est-ce que tu as pratiqué un instrument dans ta vie ou pas? Zéro. Ouais, j'ai vraiment pas ce truc là quoi. Et j'ai essayé un peu la guitare au lycée pour les mêmes raisons qu'on a évoquées plus tôt. Voilà, ouais. Ok. Et ouais, j'ai pas du tout quoi. J'ai pas du tout ce truc-là quoi. J'ai pas du tout la patience d'apprendre un truc. J'ai une copine aussi une fois qui a essayé de m'apprendre un peu le piano et tout. C'était un enfer. Donc non. Ah, c'est beaucoup. Non. Dans ta famille, quelqu'un en jouait ou pas? Non, je sais que mon frère a l'oreille musicale à fond, mais on n'était pas très instruits. Mon père peut-être jouer un peu de guitare quoi. Mais non, c'était pas le délire quoi. Ok. C'est vrai que les trucs de danse. Enfin, j'aime bien quand c'est. Enfin, tu vois, j'adore danser. Mais j'ai jamais pris de cours de danse et c'est mon cerveau. Apprendre une choré, je bug quoi. Je sais pas, ça marche pas avec. Mais par contre, me lancer sur la piste tel un fou improvisateur, ça y a aucun problème quoi. Aurélien le danseur. Mais à la fin. Même la flûte, quelqu'un dit quid de la flûte. Non, la flûte, quand on faisait un concert, j'étais le gars qui faisait semblant de jouer et en espérant que tout le monde n'allait pas faire comme lui, sinon personne n'allait jouer, tu sais, dans le groupe. Et rien ne sortait de ma flûte. Tu peux dire ça comme ça, du coup. Donc, du coup, grosse période Pink Floyd à la fac. T'as fait quoi comme études, Aurélien, toi? Cinéma. Toi, fac de ouais. Ciné. Ouais, t'as fait fac de ciné, du coup, ouais. Et quand t'es sorti de la fac, t'as fait quoi, après? Après, j'ai fait des courts-métrages avec un collectif qui s'appelait Les Gains en T-shirt. Mm. Et je travaillais au McDo à mi-temps. Yes. C'est ça, ma life. Ok. D'ailleurs, anecdote, je t'ai raconté une fois un jour je t'ai envoyé un souvent message en te disant, tu sais que je parlais de toi à quelqu'un qui m'a dit, mais je vois très bien qui Aurélien. J'ai littéralement travaillé avec lui au McDo, ma belle-sœur. Tu sais, je t'avais envoyé un message en te disant, je suis avec Aurélie. Ah oui, Aurélie. Je dis pas son nom de famille, mais oui, très bien. Ouais. Et ah du coup, c'est fou, mais oui, bien sûr. Et je t'avais dit, je suis avec Aurélie, qui me dit, mais je vois. Mais arrête de faire genre d'essayer de me faire découvrir qui est Aurélien. Je vois exactement qui c'est. J'ai vraiment travaillé avec lui, quoi. Tu vois vraiment. Ah, on rigolait bien avec Aurélien. Je vois exactement ce que c'est. On a vraiment travaillé au McDo ensemble et tout. Donc en fait, ouais, c'est assez récent en termes de enfin, récent ça, par. Ça, c'est 2006-2014. Ouais. T'écoutais quoi à ce moment-là? Parce que du coup, tu parlais beaucoup de Pink Floyd, mais à un moment, tu parlais d'électro. En plus, cette période de 2006-2009, c'est une grosse période d'électro. C'est là où j'ai découvert Ratatat à fond. Métronomie. Bah ouais, c'est ça, hein, c'est pile cette époque-là en plus. Hein. Ratatat, ouais, t'as ça. Un son particulier ou pas du tout Un son particulier? Ouais, de Ratatat, ouais. Ouais, mon son préf, c'est Gettysburg sur l'album Classics. Et qui a un truc justement très orchestral, un peu à la. Oh, il y a le moment donné qui me rend fou, quoi, tu vois. Le départ, quoi. Qui est préparé pendant longtemps à la Summer 68, quoi. Et à un moment donné. Ah, ce son, j'ai tellement écouté. Il est fou ce son. Je recommande. Ah bah ouais, Ratatat, c'est un de mes groupes préférés aussi. Pareil, les sonorités, c'est vraiment la même époque où en fait chaque groupe avait une identité sonore très forte. Métronomie, Ratatat, c'était un. T'entendais, c'était le son Ratatat. Vraiment, c'était génial. J'aurais rêvé de les voir en concert pour le coup. Bah, ils existent toujours d'ailleurs. Hein, je les ai vus. J'étais allé voir à la MJC de Dreux, frère. À la et je MJC... me prenais les cheveux du guitariste dans la tête tellement il était la scène, elle faisait ça. Et il jouait contre nous, et j'avais la sueur du gars, c'était incroyable. J'aime pas avoir la sueur des gens dans le visage en général, mais celle de Ratatat, c'est un bonheur. C'est fou, quoi. En général, parti en bagnole à Dreux, voir être dans une MJC, c'était incroyable. Celle où
J'ai une mulette fraîche. C'est vrai que c'est, le son où ça fait des bruits de panthère là, ouais, elle est incroyable. C'est Wildcat d'ailleurs. C'est Wildcat, ouais, ouais c'est ça. Pour cet album-là de aussi, je crois. Ouais, ouais, c'est ça, exactement. Il y a un chat sur la pochette, ça doit être ça. Ah, la pochette est. Déjà, ouais, tout est extrême. Ouais, 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 oui, les détails, mais oui, oui. Non, mais ça marque. Des fois, il y a un truc qui est intéressant que tu disais tout à l'heure. J'ai découvert, parce que moi je suis plutôt comme ça, mais tous les gens sont pas comme ça. Tu parlais de moments dans les chansons, des fois que t'attends. Ouais. Et moi je suis. C'est ça ma vie, moi, c'est que ça. Ouais, moi, et ben moi j'adore ça, et j'ai découvert que des gens étaient pas trop comme ça. C'est juste plus la musique complète, tu vois, qu'ils aiment bien. Mais il y a pas tant un moment que t'attends. Moi je pousse le vice même à des fois quand je réécoute la chanson. Des fois je vais juste, quand le moment arrive, donc je l'attends avec impatience, il est là, et j'en veux encore, et je reviens 15-20 secondes avant pour tout de suite réavoir mon shoot du moment précis que je kiffe. Des fois, ça m'arrive vraiment d'être comme ça. Je sais pas si toi, tu pousses le vide jusque-là, mais... Non, moi, je l'écoute en boucle. Ouais, moi, t'écoutes juste le son en lui-même en boucle, ouais, ouais, du coup, ouais. Ouais, ah, c'est trop bien. Ça m'arrive souvent de faire ça. Ouais. Mais c'est ça, même sur des sons comme... même si là, je te disais Aurel San, L'Homme Pâle et tout, c'est toujours ça. Hein. Y a toujours les deux top lines que tu kiffes de ouf et que t'attends et qui te font un petit orgasme, quoi. Ouais, en fait, c'est ça, c'est... Toi, j'ai l'impression que t'es quelqu'un qui aime bien donc les trucs visuels, etc. Mais aussi les beaux moments, ce que tu parlais des trucs qui te marquent, genre comme le début de Doc Gynéco, où t'as vraiment une parole qui te chope de ouf, tu connais la rime par cœur, la mélodie vocale que ça fait, comment il le délivre et tout, et du coup ça te marque vachement. J'aime beaucoup cette approche de la musique aussi, de petits moments qui te marquent et du coup qui donnent envie de réécouter. Ouais, c'est très ça, la métronomie, ratata, c'est que ça quoi. Mm. Et tu passes toute cette période où t'écoutes beaucoup d'électro, donc Ratatat, etc. Ouais, ouais, Justice à fond. Ouais. Le live de Daft Punk, c'est Alive qui mélange toujours deux chansons là. Ouais. Bah oui, c'est que veux-tu. Incroyable. Que veux-tu. Donc beaucoup de ça. J'écoutais aussi pas mal le Sacre du Tympan. Bon, ça c'est pas connu du tout, mais c'est un français qui a un orchestre, un français qui s'appelle Fred Palem. Le Sacre du Tympan. Et qui fait des musiques très orchestrales. C'est des musiques de films qui n'existent pas. Il a même fait un album qui s'appelle... Enfin, c'est ça le concept, je crois, si je me mélange pas les pinceaux. Mais c'est un mec, ouais, qui est hyper fort et qui... Oui. Ah, oui, 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 je vois bien. Ouais, je... Le Sacre du Tympan. Ouais, je viens de voir la pochette de François... Genre l'album Le Retour. Ouais. J'ai une chanson qui s'appelle Les Bonimenteurs du Cauchemar, qui est folle. Ok, Les Bonimenteurs du Cauchemar. Et là, si les gens sont un peu intéressés par ce genre de truc, il a fait un album très accessible, pour le coup, genre il y a 3-4 ans, qui s'appelle Cartoon, je crois. Où c'est, y a 10-12 titres et c'est des reprises de génériques, pour le coup, tu vois. Il a vraiment fait des délires de... je crois que, ouais, y a vraiment un album concept où c'est que des films à chaque fois, t'as un pitch et tout, alors que c'est des films qui n'existent pas, tu vois. Ok. La musique de plein de films qui n'existent pas. Et il y a quelques années, là, il a fait la réorchestration, mais tu sais, genre Les Simpsons, Bob l'Éponge, il y a une son de Dragon Ball Z et tout, réorchestré, tu vois. Alors là, en France, par un gars trop chaud avec son orchestre, c'est trop stylé. Trop bien, trop trop bien. Ça me donne envie d'écouter, je vais mettre en favori, je vais aller écouter ça après, parce que je connais... En fait, la pochette me dit quelque chose, je me souvenais plus ou moins du... Ouais, c'est vrai qu'en plus, il est très très peu connu, on voit... c'est vraiment de niche là, pour le coup, le Sacre du Tympan. Je vois que dans le chat, quelqu'un dit « Incre, les gars en t-shirt », qui était mon collectif que j'avais à l'époque. Du coup, cette personne doit reconnaître cette musique, qui est évidemment dans « Pas facile d'être Sid Marcus ». Si précis. Si précis. Ah, c'était le feu. Donc beaucoup de ça, ouais, beaucoup de ça, beaucoup de ça. Et après, un petit passage à vide, début des années 2010, je sais que c'était pas dingo. T'écoutais pas grand-chose ? Ouais, je sais qu'il y a eu la phase, tu sais, dubstep. Mmh. Ouais, ça c'est 2010-2012, ouais. C'était cool, hein, ce qui était une énergie, tu vois, mais c'était pas des trucs que t'allais te mettre comme ça, c'était pour faire la fête, quoi, tu vois. Ou même drum and bass et tout, et des délires un peu sortis, quoi. Ouais, carrément. Je faisais pas trop non plus. Et du coup, là, c'était un peu le retour de l'époque où j'allais choper un peu, j'aimais bien une chanson par-ci, une chanson par-là, mais un peu paumé, quoi. Enfin, pas de vrai gros courant musical, ou juste continuer d'écouter les albums des artistes que tu kiffes. Donc, t'avais le nouveau Ratatat, t'étais content, le nouveau Metronomy, t'étais content, le nouveau Relsan, t'étais content, mais pas de vrai... Ouais, je me souviens que cette époque... Et puis, c'est une époque aussi où c'était compliqué d'écouter de la musique. Tu sais qu'à un moment donné, j'écoutais genre de la musique, t'es sur YouTube, et du coup, j'avais juste une playlist, un peu de clips, tu vois. Mais c'est pas... Ça manquait un peu de... Tu sais pas comment diguer, tu savais pas comment... Ouais, toi, t'as jamais téléchargé illégalement ? Parce qu'en général, c'était des fois des techniques pour diguer, tu vois. Mais pas pour découvrir des trucs, ouais. Quoi. Ouais, c'est ça. D'accord, ouais.
Ouais, c'était juste pour récupérer les trucs que tu voulais avoir en MP3 quelque part, en je fait. Sais, ouais, que... Il y avait les bails de Radioblog, tu sais, avant l'arrivée de Deezer. Bien sûr. Tu te rappelles de ça? Ah bah bien sûr. Du coup, j'écoutais les trucs là-dessus, mais j'étais un peu paumé, quoi. Tu sais, je sais que j'ai une phase où j'écoutais genre Super Tramp. Mais t'es en mode, je sais pas quoi. Tu ouais, tu découvres. Mais du coup, ce que t'es en train de dire, c'est que à partir du moment où, je suppose, les plateformes de streaming arrivent, ça change alors. C'est ça. Ouais, après, bah, j'ai retrouvé des nouveaux groupes préf, tu vois, des nouvelles dynamiques, quoi. Je sais, je sais que début des années 2010, que j'aimais beaucoup, ça, c'est une de mes passions, parce que j'aime beaucoup la musique, mais j'aime aussi beaucoup les trucs marrants. Mm. Et quand des gens se mettent à faire des musiques très efficaces, mais drôles, je meurs, quoi. Et moi, Lonely Island, je sais que j'ai écouté à la mort ça dans ces années-là aussi. Ouais. Incroyable, tous les Lonely Island. Ouais, et que j'ai découvert avec, c'est pas forcément ma préf, mais que j'ai découvert avec Jack Sparrow, tu vois. Oui, bien sûr, oui, bien sûr. Et pour donner le contexte aux gens, donc c'est des mecs qui étaient au Saturday Night Live au States, c'est trois gars qui continuent de faire des trucs encore aujourd'hui. Bah, le leader, entre guillemets, à l'image, c'est le mec qui joue dans... C'est Jack Peralta dans Brooklyn Nine-Nine. Andy Samberg, non, du coup, je confonds, c'est pas... C'est Andy Samberg, c'est un autre acteur, lui, c'est... Attends, tu m'as fait mélanger. Bah oui, ouais, du coup, ouais, moi j'en étais sûr, j'allais me tromper parce que justement, bon, voilà, parce qu'ils en rigolent tout le temps en plus qu'ils se ressemblent. Du coup, non, tu vois, c'est pas Andy Samberg, c'est merde. Si, c'est Andy Samberg, si, c'est ça, Andy Samberg. Bah oui, pour moi, c'est ça. Hein. Ah, si, c'est Andy Samberg, si, c'est ça. Pardon, oui, voilà, c'est ça. Si, c'est Andy Samberg, ouais. Et du coup, ouais, Lonely Island, c'est des chansons rigolotes. Ils étaient trop chauds à l'époque. Et en l'occurrence, celle-ci de Jack Sparrow, c'est un pote qui m'avait montré ça la première fois. Et ça m'avait vraiment fait l'effet de « on peut faire ça », tu vois. J'avais trouvé ça incroyable. Même chose que quand j'avais vu la première fois La Vie de Brian des Monty Python, tu vois, en mode « on peut faire ça ». C'est des moments donnés, ton cerveau, il explose. C'est un truc de liberté, de nouveauté, d'efficacité folle et tout, machin. Mais t'as pas été touché. T'as pas été touché. Je te coupe, mais c'est marrant parce que ça, si tu découvres dans les années 2010, enfin un peu plus tard, t'as pas été touché par Michael Youn, toi? Parce que quand même, ouais, parce que c'est cette vibe-là, quand même, tu vois, de faire un truc très qualitatif. Bah, Fatal, ses sons avec Fatal Bazooka, en plus, ils étaient super bien produits et tout, machin. Mais tu vois, c'est pas une identité artistique, quoi. Là, c'était vraiment une époque, effectivement, il y avait ça, c'était cool, mais il y avait ça. Tu sais, c'était pas un courant, un mouvement, un machin. C'était des sons à droite à gauche, quoi. Mais si, les sons de Fatal, moi, je kiffais bien, quoi. Après, je me les mettais pas dans mes écouteurs non plus, tu vois. Oui, c'est juste que tu trouvais ça... Ouais, c'est quand même... Parce que moi, je trouvais que c'était... Alors que, eux, je me les foutais dans les écouteurs à fond, quoi. Dans la voiture, en vacances et tout, j'apprenais tout par cœur, j'étais en folie, quoi. Et pour donner un peu le contexte, par exemple, Jack Sparrow, l'idée de cette chanson, de Jack Sparrow, c'est le personnage de Pirates des Caraïbes, et c'est Lonely Island qui sont, genre, ils vont faire un son en duo avec Michael Bolton, qui est une star aux States, connue aussi en France, mais un peu, en bref, dans les années 90 et tout. Et il vient les rejoindre en studio pour faire un son avec eux, un son en mode, on est dans le club, on gère et tout ça, machin. Sauf que lui, il arrive en retard parce qu'il vient de s'enchaîner tous les Pirates des Caraïbes, et il a trop kiffé. Et c'est ça l'intro de la chanson. Et ensuite, quand la chanson part, au lieu de chanter ce qu'il est censé chanter, il raconte Pirates des Caraïbes, il dit que c'est trop bien, et eux, ils font putain... C'est ça le pitch de base de genre d'humour qu'ils font. Et j'avoue, c'est incroyable. Et c'est tellement bien produit en plus. Bah, Bo Burnham aujourd'hui, moi je suis méga fan. Ouais, ça, je m'en doutais, ouais. C'est incroyable. C'est malin, c'est efficace, c'est super drôle. Pour moi, c'est des trucs vraiment ultimes. J'écoute Bo Burnham, je l'ai dû le voir une fois le spécial sur Netflix. Mais par contre, j'ai écouté 50 milliards de fois l'album. Bah, l'album, ouais. C'est des trucs, ça m'accroche. Et puis pour le coup, je comprends ce que ça raconte. C'est vrai que j'ai l'impression que j'aime bien savoir en fait un peu de quoi ça parle. Parce que c'est vrai que quand je te disais qu'il y a des paroles, c'est surtout des trucs français. Mm. Et si c'est qu'un riz, et bah, je comprends ce que ça raconte parce que j'ai vu le truc sous-titré avant. Et j'aime bien, j'ai envie de chanter parce que je sais de quoi ça parle, quoi. Ça t'a jamais donné envie de tenter l'aventure un peu plus musique, toi, sur YouTube? Bah non, parce que je kiffe ça, mais j'ai pas de... C'est pas mon délire, quoi. Ah oui, parce que comme t'es dans la créa... J'ai jamais essayé d'écrire une chanson, tu vois. Enfin, à part... pour des vidéos avec pour rigoler en vacances ou des trucs comme ça, tu vois, ou des parodies de trucs. Mais à partir de là, si t'as jamais fait ça, parce que moi, ce que je fais aujourd'hui, c'est juste l'extension de ce que j'ai toujours fait un peu depuis que je suis petit, tu vois. Ouais. Et j'ai jamais écrit de chansons, j'ai jamais eu envie d'apprendre un instrument, donc c'est juste, c'est pas mon truc, quoi. Ok. Donc nourri de... Mes meilleurs potes, Freddy Gladu et Anisrali, sont très à faire beaucoup de sons et tout ça, machin. Bah oui, ouais. Et je les pousse à fond là-dedans, parce que moi, j'adore, quoi. J'adore ça. Ouais, puis ils sont doués en plus. Puis ils arrivent à faire. Parce que c'est pour ça, j'y pensais évidemment que t'avais quand même des gens qui étaient proches de toi, qui étaient dans ce délire. Et je me suis dit, c'est vrai que ça m'est déjà arrivé de me poser la question, mais je verrais bien Aurélien là-dedans aussi, tu vois. Non, c'est vraiment pas mon truc. On a fait un peu des trucs ensemble des fois, mais c'est compliqué parce que je suis à la traîne, quoi, tu vois, forcément. En termes de chanter, poser sa voix, machin et tout, j'ai pas l'habitude. C'est un truc, faut le bosser, quoi, tu vois. Ouais, c'est sûr. Bah ouais, c'est un gros taf. Et puis en plus, des fois, t'as
le truc naturel qui peut arriver. Et des fois, ouais, il faut vraiment taffer pour le choper et c'est plus compliqué. Non, je disais. Mais je kiffe chanter, tu vois. Ouais. Je kiffe chanter. J'ai pas peur de ni mal chanter, ni pas bien chanter les bonnes paroles. Même si je suis pas tout seul, je vais chanter, je m'en bats les couilles. Quoi. Et nourrit tout. Par contre, je vais pas en faire mon. Je vais pas proposer du contenu. Ouais. Je fais ça, quoi. Et nourrit tout ça, du coup, tu t'écoutes quoi, toi, après, après 2000, justement, dans les années 2015, etc. Bah après, je découvre mon nouveau groupe préféré. Ah. Parce que ça faisait un moment, après Métronomie, Ratata, j'avais pas de nouveau groupe préféré, parce que je les avais découverts en 2007, 2006, 2007, 2008, tu vois. Donc ça commençait un peu à manquer. Et en 2016, je découvre The Pirouette. Et là, c'est le deuxième album que j'apprécie instantanément à la première écoute après le premier album, après l'album de Métronomie dont je te parlais tout à l'heure, Nights Out. Et j'écoute l'album de The Pirouette. Je crois que c'est mon ref d'ailleurs qui m'en avait parlé. J'écoute, il y avait un, enfin bref, je sais même pas si j'avais entendu un son, mais je lance l'album et je kiffe direct tout. Et j'écoute ça pendant 2 ans, quoi, en gros. C'est l'album Carrément, c'est ça que tu aimes? Ouais, c'est ça. Ouais. Hop là. Ouais, et puis ça respire l'amour, parce que c'est un groupe, s'ils étaient en couple. Et c'est un peu technique, c'est qu'ils ont quand même continué à travailler ensemble quand ils ne l'étaient plus. Mais du coup, le premier, c'est l'amour. C'est l'amour. Le deuxième, c'est un peu flou, ça parle un peu d'autre chose. C'est un album concept, un peu hommage à Starmania, machin. Et le troisième, c'est on est séparés, ça parle de séparation. Donc c'est hyper intéressant. C'est toujours efficace musicalement. Mais il n'y a pas ce truc de sa dégueule d'amour et de bonheur. Enfin, j'aime bien apparemment les chansons d'amour, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ouais, je et vois puis ça. En plus, j'ai découvert ce groupe à un moment donné où je me séparais. Donc ça m'a aidé dans ma séparation, ça m'a aidé à rencontrer quelqu'un, ça m'a accompagné ensuite même dans ma séparation avec cette autre personne. Donc tu sais, quand il se passe ça avec un groupe, tu peux même pas expliquer ton rapport avec le groupe en fait. Ouais. C'est juste, ça fait partie de toi et ça t'accompagne à fond et tu peux même pas vraiment, tu es ému là, tu vois. Ouais, mais t'as un attachement hyper émotionnel aux choses. Je le remarque depuis tout ce que tu racontes sur la musique. Moi, comme je suis ton contenu, je me rends compte aussi... quand tu parles de ce qui t'anime dans ta vie, notamment toute la vidéo, je vous la recommande vraiment, toutes les vidéos où tu recherches Hélène. La saga de la recherche. En fait, moi, je trouve pas que c'est une nostalgie. C'est sur ma chaîne, si vous voulez. C'est sur la chaîne d'Aurélien Prévost, évidemment. Commande Aurélien dans le chat pour retrouver sa chaîne. Abonnez-vous. non, mais vraiment, en fait, tu vois, tout à l'heure, tu parlais de mauvaise nostalgie, etc. Moi, je trouve qu'il y a vraiment même pas ça. C'est juste, on sent que t'as une émotion énorme à ce truc-là, un attachement émotionnel. Et tu mets vraiment une vraie sincérité dans tes créations, du coup. Et c'est ça qui est hyper agréable, tu vois. C'est le meilleur moyen de faire un truc qui original et qui est juste, si tu parles de trucs que tu kiffes vraiment. Ouais, j'aime... C'est toujours un peu ce que je fais, parce que même mon format, il fait tout noir, qui fait très format émission potache. Je suis vraiment fan des morning routines des gens, ça m'intéresse vraiment, vraiment, pour le degré. Et l'aptitude qu'on a... à être hyper balèze avec les objets qu'on manie tous les jours au quotidien parce qu'on les manie tous les jours au quotidien, je trouve ça fou. C'est juste que quand c'est un objet bizarre au cirque et les gens disent « Regardez ce qu'il arrive à faire avec cet objet que moi, j'arriverai rien à faire avec. » Alors qu'en vrai, tout le monde à la maison fait des trucs de ouf avec les objets qu'on attrape tous les jours et je trippe vraiment là-dessus, quoi. Et du coup, par exemple, ce format, c'est juste un mélange de trucs qui me font vraiment kiffer, quoi. Ah, c'est trop coup, bien. C'est comme ça que tu peux faire des trucs qui t'amusent, qui t'animent, quoi. Bon, j'avoue que j'aurais fait tout noir, les gens négligent. J'aimerais bien que les morning routines des gens soient plus mis en avant. On dirait vraiment que c'est juste un prétexte à foutre les yeux bandés aux gens et à espérer que... Surtout les derniers. Mais en vrai, j'aime vraiment bien. Les derniers de ouf, je trouve. En fait, tu vois, je suis là genre... Voilà, c'est vraiment... Ça part dans n'importe quoi. Mais c'est drôle aussi. C'est drôle aussi de sortir un peu du format un petit peu. Puis tu t'éclates, du coup, à faire ça. C'est ça qui est trop bien. Enfin, moi, je trouve que c'est la crêpe. Attends, mais il y a The Pirouette derrière, là. Ouais, j'ai mis The Pirouette, bien sûr. Moi, c'est Je nous vois, si tu veux que je pleure. Je nous vois. Allez, go. Allez, pour le watch time. Je nous vois, évidemment. Évidemment. Comme tout à l'heure, on disait. Non, mais ouais, trop cool, quoi. Et puis, c'est cool quand un groupe, effectivement, arrive. Parce que moi, des fois, c'est compliqué quand t'as un attachement émotionnel. C'est qu'après, tu peux rester vraiment relié toujours à un truc, à quelque chose de très précis. Et moi, je fais toujours en sorte que ça reste pas là-bas. Parce que, tu sais, genre, des fois, comme je te dis, soudainement, j'entends une chanson et ça m'attrape de ouf et ça me fait une émotion. Et je me dis, ah, ok, d'accord, j'étais pas prêt. Et bah, cette chanson, si je la kiffe vraiment. Et je vais prendre soin de me la rebouffer pour réussir un peu à dépasser ce truc-là et pour me la réapproprier et pour pas qu'elle reste coincée dans le passé, tu vois. Ouais. Parce que sinon, c'est relou, en fait. Ça va niquer la chanson après. Ouais, c'est ce que je me dis. C'est un truc que je me pose comme question parfois. Parce que tu sais, tu parlais d'un album quand même qui est lié à une séparation, mais aussi au fait que tu t'es reconstruit. Et je me dis, c'est hyper dur d'outrepasser certains souvenirs que tu accordes à des chansons. Moi, il y a des chansons, enfin, je me rends pas compte parce que tu vois, moi je suis en couple depuis bientôt 14 ans, tu vois,
Et il y a des choses où des fois je me dis, si je... enfin, c'est horrible, mais je me dis, si je devais me séparer, il y a des trucs que je pourrais plus écouter, c'est impossible, tu vois. C'est trop relié, tu vois. Et c'est marrant parce que... C'est pas évident, mais je sais que j'aime bien essayer de le faire. Ouais. Bah ouais, mais t'es pas la première personne qui m'en parle, c'était, je crois de me souvenir, dans les invités que j'ai eu, c'est Bulldop, une streameuse, qui m'avait parlé de ça, de se réapproprier les sons, même quand t'avais des mauvais souvenirs reliés à ces sons, que c'était hyper important, que c'était une manière aussi, justement, émotionnelle, de se réapproprier soi aussi, des trucs c'est une œuvre culturelle. Au final, là, moi, en associant, par exemple, The Pirouette à plusieurs personnes, et bah du coup, c'est juste que... Bah du coup, c'est moi, tu vois. Ouais, c'est ça. Pas juste relié à un truc et machin. C'est ça. Parce que je trouve ça toujours un peu... Parce qu'il y en a qui peuvent se dire, ouais, mais c'est bizarre, t'as kiffé ça, ça t'évoque ça, et tu l'écoutes avec une autre meuf et tout, mais pas du tout, quoi. Je veux dire, je marchais dans la rue avec mon ex, c'est pas pour ça que je vais pas marcher dans la rue avec la nouvelle. Ouais. Enfin, tu vois, je vulgarise. Hein. Oui, je veux bien. Il y a pas de raison, tu vois, c'est pas, il y a pas les trucs sacrés, les trucs de... Et au contraire, je trouve ça beau de continuer de faire vivre quelque chose et d'en faire autre chose. Et du coup, ça donne du sens à tout, en fait, tu vois. Ouais, c'est hyper... Je trouve ça trop bien. Ouais, C'est trop intéressant, trop trop intéressant. Et The Pirouette, The Floor is Ex-Relationship, c'est ça. Mets l'auto dans le chat. Et à part The Pirouette, après, comment tu découvres d'autres choses après sur la de 2015 à aujourd'hui, quoi, finalement, parce que c'est sur les 5 ces dernières années. Je te dis, ouais, il y a eu des bails de Kaminsky, M83, à fond. Et puis là, un peu de rap français, quoi, le rap français d'amour, quoi. Ouais. Enfin, non, j'allais dire Orelsan, Lompal et DC's. Mais non, parce que Orelsan, c'est pas tant du rap de l'amour, mais c'est plus parce que c'est marrant et que ça raconte des histoires, quoi, donc ça m'attrape, quoi. Ouais, toujours. Ouais. Et puis parce que Orelsan, je l'écoutais son premier album où il était en galère et tout, et c'est vrai qu'à un moment donné, quand t'as une connexion avec un artiste, moi je passe un peu un cap, quoi. Tu sais, il y a des gars, je vais pas me dire, j'espère que je vais bien aimer. Je suis curieux de ce qu'ils ont à me proposer dans tous les cas, quoi, tu vois. Et c'est le cas de Orelsan, c'est le cas de Shabba, c'est le cas de Astier, enfin, c'est des trucs comme ça où tu passes un cap. Et t'es forcément curieux. Et si t'espères que ça va être bien, c'est nos dynamiques. C'est t'espères que les gens vont trouver ça bien. Et toi, c'est bon, c'est pas la question, c'est pas le problème. Ouais, toi, c'est acquis de toute façon. Toujours curieux de ce qu'on a proposé, tu vois. Ouais, c'est-à-dire que t'es même pas dans une approche, par exemple, tu sais, il y a ce truc de les albums ou les artistes qui évoluent et déçoivent les fans, tu sais. Tu es les fans de la première heure. T'as pas ce truc-là, toi. C'est de toute façon, c'est acquis. Peu importe ce qu'il me propose. Je suis curieux. Après, si c'est quand ça change de ouf et tout, c'est un peu technique, quoi. C'est un peu différent. Ou quand t'as surkiffé un album. Voilà, je te dis, The Pirouette, leur premier album, il est tellement incroyable pour moi qu'après les albums, t'as toujours un petit côté un peu. Mais je suis quand même curieux d'aller voir, quoi, tu vois. Mais c'est pas une question de déception parce que tu regardes ce qu'ils ont à te proposer. Donc tu vas pas dire c'est moins bien. Tu vas juste dire, c'est ça qu'ils ont envie de faire et je suis intéressé pour voir ce qu'ils ont envie de faire. Mais c'est sûr que c'est compliqué d'être toujours au même niveau. Enfin, c'est quand même. De se renouveler, mais de faire autant kiffer son public, c'est technique, quoi. Ah bah oui, c'est dur. Bah, c'est le cas sur Orelsan, par exemple. J'aime toujours autant ses albums, alors qu'il se renouvelle, etc., etc. Mais c'est vrai que c'est compliqué, quoi. Ouais. Il y a Momotus qui disait, moi, je trouve ça fou de voir à quel point tu vis la musique avec une sensibilité hyper marquante. On pourrait croire que c'est le cas de tout le monde, mais chez Aurélien, c'est hyper flagrant, c'est drôle. Ouais, c'est clair. Ouais, c'est vraiment flagrant. Je trouve de vivre la musique autant... c'est rare dans cette émission qu'on en parle comme ça, tu vois, de parler de la musique avec un attachement aussi fort. On en parle de plein de façons différentes, mais comme ça, c'est assez rare. Et Tara a demandé quel morceau de l'album de Dizzy t'as kiffé. C'est vrai, sur l'album L'Amour, qui est un très très bon disque. Bah, je vais plus écouter ceux où ça y est, où ça se réambiance, parce qu'au début, ça va séparer, ça se sépare, c'est dur, ça voit des meufs, mais c'est compliqué, puis après, ça kiffe. Donc j'avoue que j'aime bien me le mettre en entier, mais si je m'en mets un pour m'ambiancer, je vais me foutre All In ou... Merde, c'est quoi celle où il veut être le DJ de sa meuf, là. C'est pas Beau Garçon. Je veux être le DJ, ton DJ ou l'anima... Enfin, je vais pas commencer à chanter, mais je vais vous dire ça tout de suite. Oh si, on veut. Alors attends, si c'est... je veux être le DJ... J'ai trop de lumière chez moi, j'ai très chaud. De quoi? J'ai trop de lumière chez moi, j'ai très chaud. C'est Emoji Soleil Jaune. Ah non, Emoji Soleil Jaune. Et après, évidemment, Rencontre avec Damso, elle est folle. Et la première qui m'a attrapé de ouf, c'est Casino. C'est pas joyeuse, mais la musique. En fait, ce qui est ouf aussi dans This Is, là, c'est son beatmaker. Il lui fait des sons hyper modernes, Lucas V. Et en même temps, des sons hyper années 80. Et moi, je meurs, quoi. Ouais, Casino, c'est trop bien. Incroyable. Ah non, mais c'est trop et bien après, ça. Et après, ce week-end, j'écoutais en boucle C'est le Love, ma gueule. Voilà. L'album est exceptionnel. C'est très précis. L'album est exceptionnel. Est vraiment fou, ouais. Vraiment. Je disais tout à l'heure que c'était probablement l'un de mes albums préférés de l'année, je pense, pour le moment.
Ok. Vraiment. Ah, j'avoue ça avec Kaminsky, c'est en folie. Très très bien. Très très bien. Et du coup après non, en ce moment non, sinon après j'écoutais aussi de temps en temps, j'aime bien retourner écouter Sirius Mo, mais ça c'est vraiment pas connu. C'est un Allemand qui fait de l'électro. Oh, j'adore Sirius ça... Mo, mec. Tu connais? Ah mais je mec je. Personne connaît Sirius Mo pour moi. C'est vrai. Toi. Ah mais mec Sirius Mo, mec l'album Mosaïque, je l'ai en vinyle édition limitée à l'époque. J'étais okay. Ah j'étais un fan hardcore. Tu vois pour moi Sirius Mo c'est la musique de Ranma du RPG tu vois. Ouais de fou en plus. C'est il y a ce truc et tout machin mais plus une énergie et tout ça machin genre idéologie tout ça. Oh là là. De Sirius Mo moi je suis en folie quoi. Ah idéologie attends est-ce que je l'ai là sous la main je vraiment pour les gens si vous connaissez en plus pareil encore une fois. Sirius Mo, il a un son, en fait. Il a un son de fou. Et en plus, vraiment... vraiment un producteur qui, dans son approche, a une sorte de... C'est un peu le Bob Burnham de la musique électronique. Hein. Vraiment hyper reclus. Enfin, vraiment... Ouais. Ouais, vraiment, c'est un gars... il avait pris des photos de son studio et tout. Enfin, c'est un gars, il aime bien être dans son coin, qu'on l'emmerde pas. Il déteste l'aspect célébrité. En plus, il déteste l'aspect célébrité. Il déteste être, aller sur scène. Des fois, il faisait même un délire où, comme on connaissait pas trop son visage, quand on le bookait, en fait, il envoyait quelqu'un d'autre. Avec une playlist déjà préfaite, et il envoyait quelqu'un. Et du coup, voilà, comme ça, au mode. Incroyable. Ouais, il s'en fout. En fait, il aime pas du tout, et du coup, maintenant, il fait plus de concert ni rien. Il travaille avec quelques personnes, comme Monsieur Oiseau, mais pas plus. Monsieur Oiseau, j'adore Monsieur Oiseau. Ouais, c'est trop bien. Mais ouais, c'est en marrant, fait. Tu vois. Je connaissais pas cette anecdote, parce qu'en l'occurrence, quand je kiffe vraiment un artiste, je vais pas me renseigner sur lui, parce que sinon, c'est trop. Ah ouais? J'ai l'impression que c'est trop. C'est trop déjà de. Ah, je suis trop en folie sur le truc. Et si je vais commencer à me renseigner, je sais pas, je rentre dans un truc, c'est trop quoi. Ouais, moi j'aime bien. Moi j'aime bien avoir quelques anecdotes. Ouais, mais je le fais sur le, tu sais, sur le ciné, les trucs et tout, je vais tout lire. Mais sur la musique, ouais, c'est différent. Ouais. Je sais que j'ai. Quand je sens que c'est déjà trop fort, sinon après je deviens un fan, tu sais, je sais pas quoi. Enfin, je sais pas, ou ça va me désapproprier du truc, ou je sais pas. T'as l'air d'aimer quand même un peu plus le ciné que. Ouais, ouais. L'image que la musique quand même. Dans... Bah, plus le ciné, je connais mes goûts, tu vois, Je sais où je me positionne. Mmh. La musique, je suis toujours un peu plus gêné pour en parler parce que je navigue un peu à flot, tu vois. Ah oui, c'est trop. Par exemple, si je me rappelle très bien quand j'étais petit et que je voyais les films, je les kiffais tous. Et un jour, j'ai vu un film que j'aimais pas et je me suis dit ah, c'est possible de pas aimer un film. Et c'est pareil pour les bouquins, tu vois. Par exemple, dans ma vie, j'ai pas lu assez de livres pour en arriver à un livre que j'allais pas aimer. Mais c'est parce que tu construis ton goût en consommant, enfin, Bien sûr. C'est pas le bon mot, mais en lisant, en regardant des films et tout ça. Et c'est vrai que la musique, c'est un peu différent parce que j'en bouffe, mais j'ai l'impression que je connais pas vraiment, en fait, tu vois. Je peux juste te parler de ressenti et tout ça, mais je sais que je suis pas calé, tu vois, que je suis pas un connaisseur, quoi, tu vois. Ah ouais, donc du coup, t'as l'impression de pas avoir assez écouté de musique? Ou alors c'est parce que comme t'es pas un digger, comme t'as pas la curiosité d'écouter... Encore une fois, une histoire de légitimité un peu dont tu parlais, que t'as eu au collège ou au lycée, des trucs comme ça... Ouais, ou en tout cas, si on va me dire, alors, c'est quoi les 3 meilleurs albums de l'année, tout ça, je vais dire, alors, je vais vous le dire, hein, mais moi, parce que tu sais qu'il y a des gens qui vont écouter 50 milliards de trucs. Moi, j'écoute, en gros, c'est ça aussi, je dis que les albums que j'ai écoutés cette année, j'ai écouté que ça. Non mais... J'écoute tout le temps la même chose, je suis monomusique, quoi. Et c'est marrant parce que c'est là où on se rejoint un peu sur nos idées de format à la base, c'est que moi, justement, autant toi, tu vois, tu parles du côté héros du quotidien, tu sais, où t'es fasciné. Et moi, je défends le fait que tout le monde a quelque chose à dire sur la musique, tu vois. Contrairement à ce que des gens peuvent dire, ou justement comme là, ouais, j'ai pas l'impression de connaître tant que ça, je suis en boucle sur ces albums. Moi, je trouve ça intéressant. La preuve, tu vois, ça va faire 2 heures qu'on discute. Et tu vois, on a tenu 2 heures, tu vois. Vraiment, s'il y avait rien à dire, on aurait peut-être coupé plus tôt. Et tu vois, il y avait quand même beaucoup de choses à raconter. En fait, il y a tout... Vraiment, j'arrête pas de le dire comme quoi tout le monde a quelque chose à raconter. Parlé... De moi beaucoup, c'est sûr que ouais, mais voilà. Oui, mais, oui. Mais bien sûr, mais tu vois, à travers après, je dis pas que j'ai rien à dire, je dis juste que voilà, si je suis ce que je m'étais fait la réflexion, j'étais invité dans un podcast où ça parlait de ciné et de musique, et les gens ils disaient ce qu'ils avaient leur film préféré de l'année, leur disque préféré de l'année, et sur les films, j'étais en mode voilà, et sur la musique, j'étais un peu en mode bon, je suis pas trop légitime pour raconter ça parce que eux ils étaient hyper calés, et moi j'étais en mode bon, voilà, ou même quand je conseille des trucs en story, tout ça,
sais, quand c'est film, cinéma, je sais pas, c'est carré, quoi, tu vois. Mm. Et sur la musique. Mais après, justement, je le fais aussi parce que je me dis, bah, il faut y aller, il faut libérer la parole, il faut pas avoir honte d'écouter des trucs très différents. Ouais. Faut avoir honte, voilà, faut y aller, quoi. Et très différent et pas avoir honte d'écouter des trucs très populaires aussi. Ça, c'est ouais. quelque chose que je défends aussi beaucoup. C'est qu'il y a des gens, parfois, qui s'excusent de me partager des morceaux en mode « Bon, allez, bon, tout le monde connaît, désolé, tu vois. » Parce qu'on fait des plays collaboratifs sur cette chaîne et tout, avec le chat, par exemple. Et des fois, même des gens du chat, tu vois, me disent « Bon, tout le monde connaît et tout. » Mais en fait, c'est pas grave, tu vois. T'as le droit de kiffer Daft Punk, t'as le droit de kiffer Gorillaz, t'as le droit de… Tu vois, c'est… Effectivement, c'est des trucs méga connus, mais bah oui, il n'y a pas de problème. Parce qu'on ne va pas tarder à terminer, parce qu'il est 20h20, je sais que je dois te libérer. J'ai juste envie de… tu me permets de raconter une anecdote ? Je peux ou pas ? Bah, ça dépend. Laquelle ? Ça va le faire, tu vas voir, j'en suis sûr. En fait, quand on s'est rencontrés pour la première fois, c'était un anniversaire. Et en fait, tu as découvert ce soir-là que sur Spotify… Il y avait le nombre d'écoutes affiché sur l'application mobile, mais en tout cas sur l'application PC. Et je me souviens, je sais pas pourquoi ça m'a marqué, tu vois, comme quoi des fois il y a des trucs qui marquent et tout. Et je me souviens que ça t'avait agacé. Bon, on va pas dire énervé parce que c'est pas non plus joué, mais ça t'avait agacé. Ouais, parce que je suis sur Deezer, faut préciser du coup pour ouais, avoir plus de sens. Ouais, non, mais ça t'avait agacé dans le sens un peu, putain, c'est quoi ce truc de noter le nombre d'écoutes ? C'est un rapport hyper étrange. Et je me suis demandé pourquoi en fait t'es. Ça t'agaçait le fait qu'on montrait le nombre d'écoutes sur une plateforme en fait, de streaming ? C'est chiant parce que c'est des trucs de base. Quand tu regardes la télé, il n'y a pas écrit en bas combien de gens regardent le truc, quoi, tu vois. Moi, je n'ai pas grandi dans cette logique-là. Je veux dire, le but à la base dans ce que tu proposes aux gens, ce n'est pas de faire le plus de vues forcément. Alors, je sais que là, parce que j'en parlais aussi avec une copine il n'y a pas longtemps et qui me disait « Bah ouais, mais c'est pratique parce que ça permet de savoir c'est quoi le son préféré des gens sur un artiste. » Tu vois, t'arrives sur l'artiste et tu vois les trucs les plus écoutés et c'est rangé comme ça, tu vois. Et au final, Deezer aussi, c'est rangé en mode top titre. Et j'imagine que c'est rangé par rapport au nombre d'écoutes. Mais après, tu sais, c'est le côté, le Insta, le like, les vues, le truc, le buzz, tu vois. Et en fait, ça met dans un espèce ça conditionne un peu tout le monde comme si tout était fait pour faire beaucoup de vues, pour être connu, tu vois. Mm. C'est un sac un peu relou. Parce que si tu regardes un film sur TF1 ou si tu regardes un film sur Arte, tu es au courant que ce n'est pas la même DA. Tu es au courant qu'Arte, ils n'essayent pas de faire autant de spectateurs ouais, ça, que TF1 ouais. et que c'est pour ça qu'ils proposent quelque chose de différent, quoi. Et c'est vrai que quand YouTube est arrivé ou que les trucs sont arrivés ou qu'Insta est arrivé, j'aimais beaucoup Snapchat aussi parce qu'il y avait zéro chiffre, c'est pareil. Quoi. Parce qu'en fait, ça encombre et ça pollue. Quoi. Ok, c'est cool de savoir quelles sont les choses populaires si on a envie de se dire il y a plus de chances que j'aime ça si c'est quelque chose de populaire. Mais là, on est là, on propose de la musique, on propose du contenu, de la création, des trucs et tout. Et je trouve ça relou qu'en dessous, il y a un chiffre. Moi, ça me pollue, quoi, tu vois. Ouais, je vois bien. Ça me pollue. Tu es au ciné, il n'y a pas écrit en bas le nombre de spectateurs qui évoluent en direct. Ça n'aurait aucun sens. Pourtant, c'est le cas sur toutes les plateformes. Bah, t'es sur une plateforme où là, actuellement, il y a le nombre de gens qui sont en train de regarder ce live en direct. Ouais, voilà, c'est pas grave. Et que c'est même grave, pas une moyenne, c'est littéralement les vues en direct. Voilà. C'est juste que comme sur Deezer, ça y est pas, je m'étais jamais dit, t'es mon cerveau, n'avait pas conscientisé le fait que c'était le cas sur Spotify, tu vois. Ouais. Du coup, je me suis juste pris en mode, oh, vas-y, flemme, quoi, tu vois. Flemme, qu'ils foutent leur vue, là. On écoute, peut pas écouter de la musique tranquille, tu vois. Ouais. Je comprends. Voilà. Oh, merci à Defend Intelligence pour son raid. Justement, tu parlais de chiffres il y a deux secondes. Quand une personne, parce que tu dois être familier un petit peu avec Twitch, mais en gros, une personne termine un live, il envoie parfois ses viewers sur notre chaîne et Defend Intelligence vient de le faire. Merci. Defend, j'espère que ton live s'est bien passé. Vous êtes sur une émission qui s'appelle Veridisco, où je reçois quelqu'un qui me parle des musiques qui ont marqué sa vie. Je suis actuellement avec Aurélien Prévost. Sur la description, j'ai mis vidéaste, auteur, réalisateur. Ça te va comme ouais, c'est bien. C'est bien, ouais, nickel. Qui me parle des morceaux qui ont marqué sa vie. Si vous voulez d'ailleurs retrouver le travail d'Aurélien, vous faites la commande Aurélien dans le chat. Vous avez tous les liens pour le suivre. Et en fait, pendant cette parce que là, ce qui ne sait pas, c'est qu'il te renvoie tout le monde à la fin de ton émission. Mais quoi. Ouais, c'est ça qui est dommage, c'est qu'on va la terminer. Mais justement, j'allais en parler, c'est qu'en fait, le but de cette émission, c'est qu'on constitue la bande originale de la vie de mon invité. Et donc, au fur et à mesure de notre discussion, en fait, ma modératrice 3615 Stara dans le chat a rempli une playlist Spotify que vous retrouvez immédiatement là juste après l'émission et qui sera disponible ensuite sur Deezer et sur YouTube. Et en plus sur YouTube on pourra ajouter également les petits liens que tu m'as envoyé en plus, parce que malheureusement tout n'est pas disponible sur Spotify. Donc merci à vous, bienvenue à toutes et à tous, merci à celles ceux qui follow, merci beaucoup, vous êtes adorables. Merci encore Defend pour ton soutien, c'est trop gentil. Peut-être que Defend d'un jour, pourquoi pas dans cette émission.
Encore deux questions. Est-ce qu'on peut, je peux te poser une question Non, une question rapide et puis on va se quitter là. Parce qu'on arrive plutôt sur la fin 2020, 2021, 2022. Qu'est-ce que tu as écouté pendant ton confinement, toi? Est-ce que la musique a eu une grosse part une grosse importance pendant ton confinement? Ce qui est drôle, moi, ma consommation de musique sur Deezer, c'est que quand je kiffe vraiment un morceau, je mets le cœur et il rentre dans ma playlist coup de cœur. Et du coup, ce qui est marrant avec ce truc-là, c'est que quand je fais défiler ma playlist coup de cœur, je peux voir ce que j'ai écouté depuis 4 ans, les vrais morceaux que j'ai kiffés, tu vois, depuis 4-5 ans. Et ça me rappelle même les périodes et les trucs et tout, quoi. Du coup, je peux tout à fait te dire ce que j'ai écouté pendant le confinement. Mais en vrai, je l'ai revu il n'y a pas longtemps, donc je n'ai même pas besoin d'aller vérifier. Mais pendant le confinement, j'ai beaucoup écouté 3 sons qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Let's go. J'écoutais un duo de The Pirouette avec Timothée Joly qui s'appelle Lâcher Prise, que je trouve incroyable. J'écoutais le thème de The Mandalorian. Oh, c'est bien. Genre tout le temps, quoi. C'est bien précis. C'est bien, ouais, bien et, précis. Et l'enchaînement, tu vois. Et après, je remonte dans ma playlist et je me les refaisais. Et le troisième, alors on va se dire, c'est parce que c'est son pote et tout, mais même pas. C'était Vive les promeneurs de Freddy Gladieux, quoi. Ah, d'accord, c'est ok. Fond, c'est ouf, hein. Et c'est, donc pendant le confinement, ce sont les 3 sons que j'écoutais à la mort, quoi. Oh là là. Vive les promeneurs. On l'ajoute dans la playlist, évidemment. Et le thème de Mandalorian, incroyable, par monsieur du coup, Ludwig Göransson. Du coup, ouais, je peux assez facilement vérifier s'il y avait d'autres trucs. Ouais, j'avoue, ces 3 sons-là. Moi, il m'a rendu folle, la BO. Mais après, je l'ai trop écouté, et du coup, quand j'ai maté la saison 2, ça me sortait. Ah oui, je disais, mais ça, c'est la musique que je connais par cœur. C'est la musique du confinement, ça, c'est pas... c'est pas la musique. Ouais, je l'ai un peu gâché, quoi. C'est ça, The Mandalorian, The Pirouette, Timothée Joly, Vive les promeneurs. Ouais. Il y a Momo Otu dans le chat qui dit on adore Freddy le chanteur. Oui, effectivement, ici on adore beaucoup. On adore Freddy le chanteur. On en parle, on en parle de temps en temps. Évidemment. Évidemment. Bah écoute, Aurélien. Donc voilà pour répondre à ta question. Bah je pense que. J'étais pas en train de répondre à des messages. Hein. Je regardais ma playlist de 10 heures. Amélie 3000 qui dit dans le chat trop écouté, vive les promeneurs aussi. Ouais, moi aussi beaucoup trop. Beaucoup trop. Ouais. De toute façon, les sons de Freddy. À chaque fois qu'elle commençait. J'avais un côté, ah, c'est marrant, il y a mon pote, il y a Freddy, même au-delà de mon pote, c'est pas de base censé être un truc que t'écoutes premier Doug. Ouais. Donc il y avait toujours un petit côté, ah, c'est marrant, il y a ça dans ma playlist, mais normalement, quand je mets des chansons un peu blagues, je les vire, parce que c'est chiant, tu vois. Et celle-ci, à chaque fois, c'était, non, en fait, je veux l'écouter, quoi. Elle est cool en fait, plus. Je la laisse et je m'ambiance de ouf, quoi. T'as envie de la chanter et tout, quoi. Ça fait longtemps que je l'ai pas entendu. Toujours aussi accueillant quand je te demande où est le sel. Tu me dis, il est sous les vieilles. Elle est trop bien, elle est trop bien en plus, elle est trop bien. Bah écoute, Aurélien, est-ce que t'as un morceau que t'aurais peut-être oublié pendant notre discussion ou que je vais pas évoquer? Il y a peut-être quelque chose que j'ai pas dit, qu'il y a des questions que je t'ai peut-être pas posées. Il y a peut-être un artiste, un morceau dont t'aurais aimé parler peut-être. Alors ton morceau préféré, tu l'as évoqué tout de suite, Pink Floyd, etc. T'as un album préféré? Parce qu'en général, des fois, t'as un morceau préféré, mais un album, tu sais, dans une espèce d'entièreté, des fois, t'as peut-être un truc qui est pas forcément les Pink Floyd, peut-être Non, parce que mon album préféré, je crois que c'est Atom Heart Mother, donc qui fait partie la même du chose, coup, ouais. Ouais, ouais. Mais du coup, rien. Enfin, ou carrément de The Pirouette, donc on a déjà parlé, quoi. Ouais, ok. Dernier son sur lequel je me suis ambiancé de ouf, dont on n'a pas parlé, c'est Degen de Aya et Damso. Ah oui, oui. Voilà. Ah oui. Aya, j'aime beaucoup Aya. Il y a Chloé qui dit, elle me fait pleurer cette chanson de Freddy Gladieux. Mais c'est vrai qu'il y a un côté un peu nostalgique dans ce morceau. Ouais, qui... c'est ça. Il y a tout dans cette chanson. Il y a tout, quoi. Ouais. Voilà. Oh là là. Hey. Oh là là là, oui. Il va me ramener des problèmes, je sais. Moi j'aime bien, tu connais. On va finir là-dessus, quoi. Ah bah oui, on va faire terminer là-dessus. Bah écoute, Aurélien, merci beaucoup. Merci d'avoir accepté mon invitation. Bah ouais, c'était un plaisir de te recevoir sur cette chaîne, en vrai. Trop. Merci encore d'avoir accepté cette invitation. Avec plaisir. C'était trop cool de passer ces 2 heures avec toi. J'espère que t'as kiffé. J'ai chaud, mais j'ai kiffé. Moi aussi, j'avoue que j'ai hyper chaud aussi. Non, mais merci beaucoup, c'était adorable. Donc, je rappelle que vous pourrez retrouver Aurélien sur sa chaîne YouTube. Vous faites la commande Aurélien, vous avez le lien vers sa chaîne YouTube, son Insta et son Twitter. N'hésitez pas vraiment à aller regarder tous les contenus d'Aurélien. Moi, c'est vraiment quelqu'un dont j'aime énormément le travail. N'hésitez pas à découvrir, il est vraiment, vraiment très créatif. Moi, j'adore ce que tu fais. Oui, il va falloir que je te laisse vraiment. Et du coup, n'hésitez pas surtout à aller retrouver la bande originale de La Vie d'Aurélien. Bah écoute Aurélien, je te laisse rapidement. Merci encore d'avoir accepté cette invitation. Et puis bah, avec plaisir. Merci à toi pour l'invitation. Et puis bisous à tout le monde dans le chat. Et tout. Bah merci à la modération. Merci à tout le monde. Et puis bah ciao. Restez curieux, restez curieuses. Ciao.